Voie 4, veuillez vous éloigner de la bordure du quai en prenant du TGV 6180 2900. Départ initialement prévu 20h01. Pour votre sécurité, veuillez vous éloigner de la bordure du quai. Punaise, le train il est à l'heure, dites donc. Dans quelques instants, c'est quoi qui dit ? Une émission en direct, présentée par Adrien D. Au programme, distribution Linux. Administration. Tutoriel. Logiciel libre et astuces. Tous les premiers mercredis du mois, en direct, à 20h. Eh bien, salut à tous! Oh, regardez, qu'est-ce qu'on est bien là! On est le mercredi 2 novembre 2022, pour ceux qui m'ont encore jamais vu. Alors attendez, on va faire comme ça, hein, comme ça vous voyez ma petite trombine, hein. Il est 20h50, on est à l'heure, dites donc, bah, de toute façon, au-dessus de moi, vous avez l'horloge, hein, comme ça, pas besoin, si vous êtes en plein écran, sur une tablette, sur un mobile, sur ce que vous voulez, vous savez quelle heure il est en temps et en heure. Et donc, on se retrouve pour le combien déjà ? 61e, c'est quoi qui dit ? C'est quand même un truc de dingue. Nous sommes tranquillou, hein, on est 41, on n'est pas très nombreux, le temps que tout le monde arrive. Ça me permet de saluer toutes celles et ceux qui sont arrivés en cours de route, à savoir Dorian, qui était le premier, hein, LDV First était le deuxième. On a Greg qui est là, on a Philippe, on a René, on a Jean-Rev qui est là, François, Goro, JR Dallas, Neo29, Rémi, on a Frédéric, to communicate in English of course, and vous, oh là là, le suspense était insoutenable, n'est-ce pas? Gun Gun, Daniel H, et je dis bonjour à tout le monde, JR Dallas, Félix, Clément, allez hop, Auguste, Apollo, ça a fait un truc bizarre là. Attends, Augustin, The Super Geek qui est là, trop cool. On a Pascal, Dorian, j'ai déjà dit bonjour, Virgile, Neko, on a Terirats, Nectilia, oh c'est toujours compliqué à lire les pseudos, on a Joselito, je le vois arriver, Alan, Samsworld, ouais, Samsworld, et Robin Charon. Bon, eh ben on est en bonne compagnie là, dites donc, hein. Allez, deux minutes, et le gars, il passe son temps déjà à dire bonjour à tout le monde. Bon. Et salut à Doberman, Dober Forever. Ouh là là, mais il y a du monde qui arrive, même des réfractaires. Namtar aussi, salut. Bon, on est là. Et aujourd'hui, vous avez vu, Adrien, il s'est dit, salut Jules, il s'est dit qu'il allait faire un c'est quoi qui dit avec un thème. Mais autant les c'est quoi qui dit tout au début, on avait fait un truc. C'est qu'on savait ce qu'on allait faire et on savait que ça allait marcher, ce que ça, j'allais vous présenter, ça allait marcher. Là, on ne sait pas si ça va marcher. C'est quand même assez incroyable. Alors, je vais vous lancer un magnifique navigateur internet, voilà, qui va arriver donc sur... ouais, ok, là-dessus. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre l'onglet en sourdine, je vais aller sur la chaîne, hop, je vais positionner mon navigateur, mais en fait, on ne va pas trop l'utiliser. Alors, attendez, hop, voilà, comme ça, l'écran, il est en grand. Donc, aujourd'hui, on a dit que quoi ? Hop, alors évidemment, j'ai l'écran là, j'ai la caméra là, donc comme d'habitude, je vous regarderai pratiquement jamais. Donc, on a dit que aujourd'hui, on allait tester du fait de faire du
DJing sous Linux. Alors, bien sûr, on a un petit peu des trucs allumés. On a des trucs allumés. Donc, dans la petite vidéo d'intro que vous avez peut-être vu, vous avez vu globalement donc le setup ici que j'ai filmé avec mon téléphone portable. Le setup. Regarde, c'est magique. Voilà. C'était la caméra. Donc, si jamais la prochaine fois vous me voyez plus hein, sur Twitch, c'est pas très grave. Donc, voilà. Ah oui, on va enlever ça. Et une caméra, une. On va enlever ça. Voilà. Et donc, ici, c'est incident direct. Donc là, vous allez voir. Ok. Ah, c'est tout petit en plus. Donc voilà le setup avec le PC portable ici. On a le contrôleur ici. Le casque qui est là. Ok. Donc vous voyez un petit peu l'envers du décor. Et on a tout au fond le Stream Deck. Donc ce qu'on va faire ici, hop, regardez. Ce qui va être très intéressant. C'est qu'on va lancer AnyDesk et on va se connecter juste rapidos sur le PC en question qui est donc juste derrière moi. Alors attendez, ce que je vais faire, je vais m'arranger pour que AnyDesk soit pas trop dégueulasse. Voilà, donc vous voyez à l'écran ici, derrière, waouh, génial. Hop, je vais réduire le logiciel et regardez, oup, il se réduit derrière. Donc là, on a bien affaire à Windows 10, hein, ok. Donc ce que je vais juste faire avant, je vais quand même remettre la caméra sur son truc, parce que certes l'installation elle est mobile, mais pas la webcam. Donc voilà, hop. C'est ce qu'on appelle du direct. Alors hop, si on arrive sur le deuxième écran, comme ça vous voyez le deuxième écran du PC. Donc là, je vais juste enlever ça. Je vais mettre la caméra comme elle est en temps normal. Hop, voilà. Comme ça, vous voyez l'OBS du PC que je... Donc finalement, la caméra, vous voyez, elle fonctionne toujours très bien. Hop, coucou, vous me voyez dos là. Donc, le contrôleur, il est là. Le Stream Deck, il est là. Et le PC, il est là. Attention, on est dans de la compétition d'un point de vue montage. Bon, très bien. Donc là, hop, je vais renlever ça. Ok, et donc je vais remettre ma petite source qui va bien, comme d'habitude, avec le fond vert qui, là, n'existe pas. Bon. Hop, voilà. Et donc, pour ceux qui se posent une question... Ah si, je vais remettre comme ça. Donc vous voyez, ça c'est l'avantage du fond vert, c'est que là, vous voyez, il y a le fond vert, mais on le voit pas très bien. Donc ici, vous voyez, il y a le... Alors attendez, je vais poser comme ça. Voilà, il y a le Stream Deck qui permet, donc pour ceux qui ne connaissent pas, ici, vous voyez, je peux appuyer sur des boutons et ça va contrôler automatiquement OBS. Hein, donc là, j'appuie sur ce bouton, ça me met le petit DJ qui va bien. Et donc, je peux, via le Stream Deck... Voilà, appuyez sur des boutons qui vont générer, vous allez le voir donc dans le chat de Twitch, qui vont générer des choses dans le chat de Twitch et qui génèrent sur OBS des effets. Voilà, donc le but, c'est, vous voyez, j'appuie sur les boutons, ça envoie directement le message dans le chat et ça fait les interactions sur OBS. Donc l'idée, c'est de faire fonctionner ça sur Linux. Et donc, pour faire fonctionner ça sur Linux, ce qu'on va faire ici, regardez, on va ouvrir un deuxième onglet AnyDesk. Ah non, ça marche pas comme ça. Hop, AnyDesk, comment je fais? Ah, c'est obligé, ok. Donc là, hop, je vais me connecter sur une machine équipée de Ubuntu. Donc la machine, c'est celle-ci, c'est une machine de prêt, qui est là juste pour le live en question. Donc, en fait, on va pas faire de... donc, vous voyez, là, si je me connecte avec AnyDesk, avec mon super mot de passe, automatiquement, ça prend le contrôle sur le PC. Donc, sur ce PC qui est juste là, j'ai installé donc Ubuntu 22... Je le pose juste là. J'ai installé Ubuntu 22.04. Hein. Donc, il y a plein de distributions Linux, si vous voulez.
Il y a plein de distributions Linux. On peut faire énormément de choses, si vous voulez. Il y a plein de choix. Il y a Arch Linux, il y a Fedora, il y a Linux Mint. Le but de cette... de ce live, si vous voulez, c'est pas de choisir une distribution Linux. Donc, je suis parti sur du Ubuntu, hop là, regardez, 22.04, donc c'est la dernière version LTS, en date au moment où j'enregistre cette vidéo, voilà. Ubuntu 22.04.1 LTS. Donc, ce qu'on fait ici sur une Ubuntu 22.04, dans tous les cas, ça va fonctionner sur Linux Mint. Donc, je suis parti sur une base Ubuntu pour faire ce qu'on a à faire. Alors, entre-temps, je vais juste regarder et saluer ceux qui sont arrivés entre-temps. Voilà, donc il y a beaucoup de gens qui disent super Linux Mint, Ubuntu LTS. Donc, ah oui, d'accord, il y a une question pour savoir qui utilise, quelle distribution était utilisée. Alors, j'en profite pour saluer Félix. Je ne sais pas si je t'ai dit bonjour. Donc, Ubuntu 22.04, c'est parfait. Voilà, il y a des gens qui disent Ubuntu, Arch sinon rien, Mint, donc vous voyez les trucs. Bon, on est sur l'Ubuntu, c'est pas mal. Salut Benjamin Faux aussi. Elwan, bienvenue. J'espère que j'ai oublié personne à dire bonjour. Voilà. Mais en tout cas, on est, voilà, sur du Ubuntu. Donc d'un côté, on a de l'Ubuntu, et de l'autre, donc on a le Windows 10. Donc ce dont j'ai besoin, c'est de plein de briques. J'ai besoin de plein de briques pour finalement... alors attendez, hop, je vais mettre mes petits jingles à côté là. J'ai besoin de plein de briques pour faire tout ce que j'ai envie de faire. Première chose, j'ai besoin du logiciel de DJing. Donc ici, je vous montre juste comment ça marche sous Windows. Audio Nautics, voilà. Donc j'ai pris quelques morceaux de musique. Comment je peux faire ? Si je sais comment je vais faire. On va le faire en mode sans le casque. Voilà, pour ceux qui ne savent pas. Donc j'ai mis une rallonge. Oh, ça va se casser la gueule. J'ai mis une rallonge USB, comme ça on est à peu près tranquille. De toute façon, je savais que ça allait être compliqué. Voilà, donc hop, on a le contrôleur ici qui tient dans ma main. Et donc, si vous voulez, là, si je veux charger la piste, hein, j'appuie sur les boutons directement, vous voyez, ça contrôle le logiciel. Il n'y a pas de problème. Hein, et on peut mixer. Pas de problème. Ok. Donc là, on peut contrôler le logiciel, évidemment. Le logiciel s'appelle Recordbox, vous voyez ici en haut. Et donc, forcément, le contrôleur, il est fait pour ce logiciel Recordbox. On voit, c'est marqué ici dessus, Recordbox. Donc ça, c'est la première chose. Première chose, besoin du logiciel. Deuxième chose, j'ai besoin d'un navigateur pour pouvoir voir mon chat. Donc ça, c'est facile. C'est facile. Puisque on en a sous Linux, ça va pas être le problème de... c'est pas le problème du live, à mon avis. Et je vais enlever ça. Et troisième chose dont on a besoin, c'est d'OBS. Alors, est-ce que ça va être le problème? Je ne sais pas, parce que mixer, ça risque d'être peut-être facile. Mais capturer le son tel qu'il est là, je suis pas sûr que ce soit si facile que ça. Parce que, regardez, je vais vous jouer un petit morceau de musique, là. On va jouer Big Cartel. Vous le connaissez, ce petit morceau? Non, vous le connaissez pas? Voilà, vous l'entendez peut-être derrière. Bon, génial. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Le logiciel joue de la musique. De l'autre côté, on a la source audio de OBS qui est là. Et donc forcément, si je commence le streaming, chose que je ne vais pas faire, ça va diffuser sur Twitch directement. Ce qu'on peut faire, on peut faire ça. On va le voir en direct. Le temps que je stream, il n'y aura personne. Hop, regardez, je commence le streaming. Et donc automatiquement, ça va lancer la diffusion. Là. Je vais tout de suite arrêter hein, pour éviter. Voilà. Donc là, ça diffuse sur Twitch. Stop! Ok. Donc là, voilà. Donc le but, c'est de faire exactement la même chose, mais sous Linux. Alors, ce qu'on va faire, hop, je vais quand même faire un truc. Je vais modifier les infos du stream. Je vais mettre juste test.
Voilà. Hop, comme ça, si jamais il y a quelqu'un qui débarque sur Twitch ou qu'ils ont la notification, ils auront test. On est mal barré ici. Donc voilà ce qu'on va essayer de faire, mais sous Linux et donc sous Ubuntu. Donc voilà, pour Virgile qui se posait la question, voilà ce qu'on veut faire, et on le sait maintenant à 20h13. Bien. Donc, ce qu'on va faire, ça va pas être très compliqué. Alors, sur le portable, là, je n'ai pas de double écran. Là, sur le fixe, sur le portable derrière, sous Windows, j'ai deux écrans. J'ai le portable qui est là, et un écran externe qui est juste à côté, que je peux pas vous montrer, parce que derrière, il y a tout du bazar privé. Hein, donc, je vous tourne pas la caméra de ce côté-là. Donc voilà ce qu'on va faire, et donc on voit Cardinal Cricri là, qui est ni plus ni moins que LDVFR, qui écrit des petites blagounettes sur le chat. Voilà. Donc, ici, je reviens sous Ubuntu, et donc, on a notre navigateur internet, donc ça, pas de problème, no problemo, on s'occupe pas de ça. Ce qu'on va faire, on va commencer par le plus compliqué, c'est-à-dire pas la partie OBS, on va commencer par la partie mix. On va commencer par la partie mix. Donc ce qu'on va faire, on va aller sur le site Alternative Tout, que je vous avais déjà présenté. Et donc là, la question qu'on va se poser, c'est... Aujourd'hui, j'utilise le logiciel Recordbox, qui est d'ailleurs même pas connu sur le truc. Donc on va faire autrement, puisque je connais une alternative qui s'appelle Mix. Donc sous Linux, on a Mix, qui permet de mixer. C'est ce que j'ai utilisé tout au début pour faire mes premiers mix sous Linux, quand on faisait ça sur YouTube juste pour la vidéo, et le son on l'avait sur Icecast. Là je faisais ça sur Icecast et je vous filais le lien dans la description sur YouTube. Alors le problème, c'est que si là on cherche des alternatives uniquement pour Linux, on n'a pas grand chose, puisque là on a Mix, donc qui permet de mixer. Visiblement on n'a que ça à utiliser. On a Jiada, voilà, sauf que vu la capture d'écran, c'est plutôt pour composer de la musique. BPM DJ, bon, il faut visiblement mettre du jack et du beans, là, quand même, ça n'a pas l'air d'être très simple. On a Loop, avec plein de P, vous voyez, je ne connais pas, c'est un Music Creation Tool, donc ça ne nous concerne pas. Internet DJ Console, Streaming Live Radio Show, donc c'est pas ce que je veux faire. C'est Jade en italien. Ok, c'est Jade en italien. Là, on a Mixo. Donc, ça me semble pas être ça. Là, on a Terminator X après. Bon, c'est plutôt pour du traitement audio. Donc, on n'a pas l'embarras du choix, si ce n'est qu'on n'a que Mix. Donc, aujourd'hui, on a deux solutions. C'est soit on prend Mix, soit on essaye Recordbox, quel logiciel là que j'utilise, avec Wine. Donc ce qu'on va aller faire, on va tester les deux solutions. À mon avis, Recordbox avec Wine, ça me semble pas terrible. Donc je vous ai mis vous avez vu les trucs en thème sombre, hein, exprès pour vous, hein, j'ai tout préparé quand même. Donc on va aller chercher ça, et Mix il est dans les dépôts. Donc on va aller récupérer Recordbox. Automatiquement, quand je branche le contrôleur, il reconnaît la clé de licence, donc il n'y a pas besoin. Voilà, je suis d'accord, téléchargement. Et donc on va enregistrer cela. On fera OBS après. On va aller dans le magasin d'applications. Et ce qu'on va faire, donc effectivement, sur Twitch, quelqu'un m'a dit « Ah, on peut peut-être essayer de faire ça avec Bottles. » Donc, c'est ce qu'on va aller chercher. Bottles, j'avais un jour, j'espère vous faire une vidéo dessus, qui est un wine un petit peu mieux. Alors, bouteille. Putain, on l'a pas sur Ubuntu. Alors, attendez, hop. Qu'est-ce qu'il nous dit? Mise à jour du périphérique Dell. Ouais, ok, on s'en fout. Bottles. Attendez, je vais regarder Wine. Sinon, on va mettre vite fait. Flatpak, parce que je sais qu'il est sur FlatHub. Donc, on a Wine ici. On va installer Wine, comme ça, on va tout installer. On installe tout. Ah,
Flat Hub ou App Image. Oui, App Image. On va installer Flat Hub direct. Regardez, on va aller installer Flatpak direct. Ni vu ni connu. Flat Hub. J'aurais pu installer ça. Avant, je ne l'ai pas fait. C'est pas très grave. Alors, F4. Configuration rapide. Ubuntu. Sudo apt install Flatpak. Alors, hop. Terminal. Sudo -y. Vous savez que moi, je me bascule toujours en route. On installe Flatpak. Ouais. Évidemment. Il est encore en train d'installer Wine derrière. Non, hop. Voilà. Et puis, on va... Ouais, ça, si tu veux. Vraiment facultatif. Et on va installer le repo Flatpak. Et on va installer Bottles dans la foulée. Salut à Temet qui arrive entre temps. Hop, Laurent, tu as déjà... Ouais, j'ai déjà testé Bottles. Hein. Il est déjà installé sur le PC, tu vois, bouteille, il est là. J'avais prévu un jour de vous en faire une vidéo, mais bon. Alors, Flatpak install Bottles. Voilà. Installation est claire, hein. Vous avez vu. Donc, ce qu'on va faire... Hop, on va commencer par ça. Donc, je vais vous mettre ça en plus gros. Hop. Hop, voilà. Donc, téléchargement. Recordbox.zip. Extraire ici. Extraire vers, très bien, si tu veux. Ok. Et donc, on va installer Recordbox avec ça, depuis Bottles, qui me semblera un peu plus performant peut-être que Wine directement. De toute façon, rien ne nous empêche d'installer Recordbox et Mix à côté. Alors par contre, ce que je voulais voir... J'espère juste que ça ne va pas mettre trois plombes à s'installer. Normalement, le Wi-Fi est performant. Hein. C'est du Wi-Fi A6, mais... Ah, salut Mathieu! De rien pour les vidéos, et juste petit mot exprès pour Mathieu, salut à Razibus aussi, à Jérém qui arrive, et à Clément qui arrive, pardon. Mathieu, j'adore, parce qu'à chaque fois que tu regardes une vidéo, tu mets un petit merci pour la vidéo, et donc à chaque fois que tu regardes une vidéo, tu mets le petit commentaire, à chaque fois je me dis, ah tiens, il a vu cette vidéo, chaque fois il y a un petit commentaire, ça me fait rire, parce que je vois à chaque fois comment ce que tu regardes, et le petit commentaire que tu mets, c'est toujours... toujours très rigolo. Je me dis, tiens, il a vu ça aujourd'hui. Ça me permet de voir ce que tu regardes. Et des fois, il y a des trucs qui sont super vieux que tu dois rattraper avec le temps. Et c'est plutôt marrant. Alors, hop, on va donc récupérer ça. Je vais installer juste après. Donc, les premiers Flatpak sont installés. Et on a installé... On a dit quoi qu'on installait ? Je vais installer Mix. Je vais l'installer en Flatpak aussi. Je vais l'installer en Flatpak. Mix avec 3. On va être embêté peut-être avec apt install mix. Ce sera plus facile pour le paramétrer. Hop. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On tente la première avec Recordbox. On va essayer ça. Salut à Pasquale. Vous savez ce qu'on va faire? On va commencer par. Recordbox. Par contre, je vais arrêter le logiciel sous Windows, parce que sinon ça va me faire le même problème que la dernière fois. Maintenant que vous avez vu comment ça fonctionnait sous Windows, je vais pouvoir tout couper. Hop. Voilà, et puis je vais laisser allumer des fois que j'ai besoin de récupérer un truc. Donc, je débranche le contrôleur, même s'il est derrière moi, c'est pas grave. Et donc je vais le brancher. Par contre, avant de le brancher, on va tester un truc. Regardez. Terminal. Je vais l'épingler, le terminal, quand même. Regardez, parce qu'il y a un truc que j'ai absolument pas testé. Je vais vous mettre ça plus gros. Je vais vous faire un petit watch. LSUSB. Vous connaissez la commande LSUSB? Elle permet de lister les périphériques qui sont connectés en USB sur la machine. Ce qui fait que j'ai rien d'autre avec moi en USB.
pas grave. Mais si je branche ici le contrôleur, hop, on va voir ce qui se passe. Donc là, ça s'allume, ça se met sous tension. Et déjà, question numéro 1, est-ce que Pioneer DDG 400 est reconnu sous Linux? Oui. Et il est arrivé là, Pioneer DDG Corporation DDG 400. Donc on est déjà pas mal. Le truc, il est reconnu. Bon, par contre, maintenant, on ne peut pas faire grand-chose tant qu'on n'a pas le logiciel. Donc, ce qu'on va faire, on va réduire le terminal. On va ouvrir Bottles. Merde, c'est pas installé. Bottles. Ah. Si, attendez. Il faut peut-être rafraîchir le GNOME. Hop là. Voilà. Bottles. Bouteilles. D'accord. D'accord, alors attendez, hop, faut juste que je comprenne s'il y a un truc particulier dans le GNOME d'Ubuntu. Mix, il est arrivé, donc je vais l'épingler. On va commencer avec Bottles, juste pour voir. Bon, ok. Alors, Flatpak run Bottles. Ah oui, je sais, je l'ai installé en tant que root. Flatpak install Bottles. Donc forcément, il s'est installé. Ouais, je sais pas. Flatpak run. Je me suis lancé dans un truc là. Attendez. Hop. Ok. On va laisser le terminal ouvert. C'est un petit truc que j'ai fait mal à mon avis. Hop. Voilà. Ah non. Bienvenue dans Bottles. Ok, Windows en bouteille, terminé. Ok, il a besoin de récupérer 2-3 bricoles. On va le laisser faire. Parfait. Ce qui fait que pendant ce temps-là, j'en profite pour saluer celles et ceux qui arrivent. Comme Gloire Ilunga. Alors, et... oh là là, les pseudos, attends. Daishinkan. Voilà. Et José qui arrive, et Zetek qui arrive. Bien, tout est prêt. Ok. Donc là, on a notre Bottles. On va essayer. Aucune idée si ça va marcher. Alors, on va créer une nouvelle bouteille. Voilà. On va appeler Record Box. Alors ça, à mon avis, c'est le truc qui est pas terrible. Application. Créer. Salut Yann. Je crée un as depuis un... 400 en ligne de commande, MDA même grâce à toi. Yay! Quel fond vert utile? Ouais, le fond vert, il est plutôt utile avec l'autre caméra dont on a vu juste avant. Parce qu'en fait, là, il y a le PC, le bureau, tout ça. Et là, il y a pour Twitch. Et donc, le fond vert, il est en face de Twitch, évidemment. Donc là, on va le laisser installer tout ça. Salut, Steve! Oh là, Mister Zabix, c'est là. Asen, bienvenue! Et Riquet, en fait, Bottles, c'est une espèce d'application tout en un qui te permet d'installer des applications chacune isolée, tu vois, pas en vrac dans ton système Linux. Et tu peux, en fait, pour chaque application que tu veux installer, gérer des paramètres différents de Wine avec des composants. C'est un peu... c'est pas bien dit comme ça, mais tu vois les Flatpak, t'as les applications avec leur environnement, leur truc. Bah là, c'est à peu près les Flatpak version Wine. Quoi. Donc là, hop, on va aller là. On va donc choisir... Attends, je sais plus comment ça marche. Lancer l'exécutable. Ok. Là, je vais aller récupérer dans téléchargement l'installation de recordbox.exe. Voilà, donc j'accepte, suivant, installer, génial. Donc vous voyez, ça va récupérer, là, si, bon, il y a tout ce qu'il faut normalement dans l'exécutable. On va tester. Attends, elle est vieille cette pub là, c'est quoi cette bouteille de lait? Ouais, c'est un... En fait, chaque application, je sais pas si j'en ai là, le temps que ça s'installe. Je sais plus ce qu'il y a dedans là.
Non, j'avais dû se tester pour Brave. Non, j'ai plus rien. Non, j'ai plus rien. Mais en gros, tu peux installer diverses applications et chacune des applications est dans leur petit environnement Wine un peu. Donc tout est isolé. Donc là, on va laisser s'installer ça. Donc forcément, ça prend un petit peu de temps. Ça prend un petit peu de temps. Bon, pourtant, c'est un SSD, NVMe, tout le bazar, hein, mais bon. Salut Mathéo PC 1, 2, 3, 4. Ouais, on essaie de faire ça. On essaie de faire ça. Donc là, on essaie juste la solution Wine. Et après, juste pour voir ce que ça donne, et après on va aller jeter un œil avec Mix. Tu vois? Ouais, je suis con, je tourne la tête, mais en fait le PC il est là. Donc voilà à quoi ça ressemble. Voilà, super. Donc vous voyez, la solution Wine, elle n'est pas forcément toujours extraordinaire, puisque là on a un écran, et là probablement il y a un truc à cocher, mais je me rappelle plus ce qu'il faut. Tu vois, ça fait un truc bizarre. Alors, ah, voilà. Il y a une fenêtre derrière. Non, je veux Unexpected application error. Ouais. Alors, hop. On va essayer de le relancer. Hop. Alors, je reviens là. Application. Ligne de commande. Non, c'est pas ça. Lancer l'exécutable. Merde, je sais plus comment ça marche. Attendez. Programme. Vous voyez, tu à chaque fois on peut paramétrer des trucs. Compatibilité Direct 12. Est-ce qu'on peut discrete graphique, frame d'affichage. Donc là, tu en vas voir. Version de Windows 10. Donc c'est comme ce qu'il y a derrière. Ouais, non, je pense pas qu'on ait besoin de quelque chose. Alors, programme, pas de programme trouvé. Ouais. Attendez, on va couper tout. On va relancer. Comprenez pourquoi j'ai pas encore fait de vidéo sur Bottles, parce que je maîtrise pas encore la chose. Hop, donc je ferme ça. Application Recordbox. Donc ligne de commande. Hein. Ah ouais, mais non. Hop. Attendez, on va remettre ça en grand. Préférence. Ah bah non. Dépendance. Tu vois, dans les dépendances, tu peux installer des polices d'écriture, des machins, des trucs DirectX. Tu vois, hop, et puis tu as juste à faire la petite flèche et hop, ça installe la dépendance comme il faut. Programme plus. Non. Bon, finalement, c'est pas la panacée cette affaire. Alors, on va éviter avec Bottles. On va l'installer en mode Wine normal. Ah oui, ok. Ouais, avec une autre application. Chercher toutes les applications. De toute façon, le PC après. RAS. Donc, il faut avoir un peu de bouteille pour l'utiliser. Je valide. Le son était prêt. Le son était prêt. Donc là, vu qu'on ne maîtrise pas ce genre d'outils, on va essayer de voir si on peut ici faire un petit wine record. Comment on a dit qu'il s'appelait? Mais vous allez voir qu'on va aller. On va aller avec. On va aller avec Mix, je pense que ce sera beaucoup plus simple. Mais. Allez hop, français. Donc là, on voit que c'est vraiment dégueulasse le truc. Voilà. Allez, on tente sans ça. Avec Wine tout court. Ah ouais, tiens. Oh, bah il marche bien, Stream Elements, là. Alors. Hop, on va attendre tranquillou hein, que ça s'installe à nouveau. Tu vois, là, il installe les pilotes DDG, tout ce qui va bien. Mais nous, on n'en a pas besoin, puisque je le rappelle ici. Hop, voilà. Notre contrôleur, il est reconnu ici. Hein. Donc là, on n'a pas de problème. Il faut lancer une bouteille à la mer. Oui, je valide. Je valide. Bon, allez, on va essayer de voir si en installant Recordbox comme ça, en mode wine. Ça va. Alors, lancer Recordbox. Parce qu'après, il faut qu'il me valide la licence aussi, tu vois, c'est ça le problème. Non, pareil. Unexpected application error. Il est derrière le message. Hein. Donc là, on ne le voit pas. À mon avis.
À mon avis, c'est un peu râpé cette affaire-là. Alors, attendez, hop, on va quitter. Ok. Alors, avec Wine, est-ce que il se met là-dedans? Record box 6, donc on va retenter. Non. Donc, du logiciel Windows sous Linux, on a la confirmation que ça ne fonctionne pas. Donc, on va abandonner cette piste tout de suite et on va lancer le logiciel qui est là pour ça sous Linux, qui s'appelle Mix avec 3x. Hop, voilà. Donc, ok. Mix avec 3x, il nous demande où est-ce qu'on va mettre la musique. Donc, c'est parfait, dans le dossier musique. On va aller récupérer 2-3 morceaux sur Audionautics. En fait, on va même pas se casser la tête. Regardez ce qu'on va faire. Hop, hop, je vous fais juste un petit truc, un petit tour de passe-passe. Je veux juste pas que vous voyez ce que je veux vous montrer ici, parce que vous allez voir tous mes documents. Je vais envoyer directement la musique libre. Donc, album musique. Voilà, à partir de là, je peux vous remontrer, pas de problème. Donc là, on va aller sur Libre Musique, Audionautics. Je les envoie sur le PC, Ubuntu, ok. Et donc, ce qu'on va faire ici, donc on a le logiciel Mix, on va rescan library, ok. Donc on a ça. Je vais voir si je peux vous mettre en plus gros. Mix a un peu changé depuis la dernière fois que j'ai utilisé. Interface, donc... local, on va se permettre de le mettre en français, French, ok. Et puis le skin, ouais, applique, ouais, ok. Je ferme Mix et je relance. Bien. Mix avec 3x, ouais. Bien. Donc là, on est bon. Maintenant, si je mets un titre, ok. Si je mets un autre titre, ok. Je fais avec les clics de souris hein, pour le moment. Yeah, c'est bien, on n'a pas de son. J'ai pas de son. J'ai pas de son. Ok. Alors, hop, fichier quitté. Je vais quand même regarder si on a du son sur la machine. J'ai pas testé. Normalement, oui. On doit avoir du son, j'espère. Merde, on n'a pas de son. Alors, attendez, on n'a pas de son sur la machine. Ça commence mal. Et j'ai installé Ubuntu, j'ai pas testé le son, les gens. Son. Ah ouais, ok, parce que la sortie s'est mise sur. Ok. La sortie s'était mise sur. Voilà. Là, il y a du son. Il y a du son. Voilà. C'est juste que vu qu'il y a une carte son dans le contrôleur. Des DJ, eh ben, on voit ici qu'il me le détecte en sortie. Donc forcément, ça a essayé de jouer dessus. Alors par contre, ce qui peut être intéressant, c'est que là, peut-être que ça va sortir le son. On verra bien. Donc là, je vais laisser comme ça pour le moment. Ah ouais, c'est le microphone là, ok. Très bien. Donc, je relance Mix. On va y arriver. Et donc là, qu'est-ce qu'il nous dit? Mix n'est pas parvenu à ouvrir tous les périphériques configurés. Donc, oui. Donc voilà, ça c'est le genre de truc qui commence à être pénible avec Mix. Alors on va essayer système défaut. On va mettre ça. On joue. On a du son. C'est pas mal. Alors, on tente un truc sans paramétrer. Je manipule le DDG, il se passe rien dans le logiciel. Ok. Donc, il va falloir paramétrer tout ça. Hop là. Donc, ici, contrôleur, DDG 400 MIDI, il est vu. Par contre, je ne peux pas l'activer. Donc, il y a des pré-réglages dans le logiciel. On va aller. Donc, quand j'ai commencé à mixer, j'étais sur un Hercule DJ
Il est toujours dans le carton là-bas. C'était DJ Control. Il était dans la liste. Hein. Ça devait être le DJ Control R ou DJ Control MP3. Je sais plus. Alors là, on l'avait. Maintenant, on va aller voir Pioneer. Donc, vous voyez, il y a plein de trucs. Et on a Pioneer des DJ Cassant. Donc, on n'a rien besoin de faire. On n'a rien besoin de faire. On a déjà un mappage. Activé. J'applique. OK. Et ça marche. Alors, ça marche. Ici, on voit que les boutons sont bougés. Et effectivement, ils ne sont pas tous droits. Donc, je vais tous les mettre droits. Oh, yeah. Donc là, on est pas mal. Par contre, ça va peut-être se passer mieux que prévu. Je voudrais juste modifier les formes d'ondes. Voilà. Histoire de les mettre à la façon... À la façon du logiciel Pioneer de l'autre côté. Alors, je vais juste regarder lequel c'est. Filtrer. Non. Ah, celui-là, ça doit être du RVB quand même. En mettant comme ça. Ouais, comme ça. Oula, j'aurais pas dû changer de paramètre. Ouh. Ouais, c'est bon. Ouais, peu importe. Hop, voilà, c'est pas mal. Ok, donc là, on est bien. Alors, je vais juste vous mettre du son un peu plus fort, histoire que vous entendiez. Ok, donc on va baisser. Ok, donc là, je baisse les trucs. Ça, je baisse, je monte, ça marche. Ok. Si je me mets là, donc... Ça marche comme il faut. Ça, c'est le son du mic du casque. Donc là, ah oui, faut que je mette avec la souris pour vous montrer. Là, on a Ed. Donc là, c'est le casque. Ça marche. Celui-là, hop, voilà, c'est entre le casque et la sortie. Ça fonctionne. Donc là, on est bon. Je vais juste vérifier un truc. Ça marche pas. Ok. Ok. Donc la boucle marche pas. Ok. Je vais juste vérifier si les boucles fonctionnent. Alors là, les boucles comme ça fonctionnent. Ouais, si on veut, pourquoi pas. Ok. Donc ça marche. Ok. Les boucles comme ça fonctionnent. La sortie de boucle fonctionne. Par contre, les boutons boucle fonctionnent pas. On est pas mal. Hop, je vais en profiter pour vous lire un petit peu en attendant. Ubuntu 22.04, c'est Pulse Audio, c'est pas encore Pipewire. Et pour la musique, ça fait 2 ans que je mixe. Ça fait 2 ans que je mixe. Donc ça, on est à peu près pas mal. Ah oui, donc juste, je vais jouer un peu de musique. Je vais baisser le son. Je vais brancher le casque. Parce que le but quand même... Je vais même sortir de la boucle. Hop, voilà. Donc là, bien sûr, on n'entend rien dans le casque. Je vous fais entendre, hein. On n'entend rien dans le casque. Ok. J'active Q-Mode. Ça s'allume en tout cas là. Par contre, j'ai rien dans le casque. Hein. À tous les cas, dans tous les coups, j'ai rien dans le casque. Donc, c'est un peu mort pour mixer dans notre affaire. Alors, je vais regarder quand même, sait-on jamais. Est-ce que ça fonctionne? Non, ça fonctionne pas. Donc, il y a un petit bouton pour normalement sélectionner les pistes. Ah, si, voilà, c'est bon, ça fonctionne. Donc, ça marche. Hop, chargement de la piste. Par contre, la prévisualisation, on l'entend pas. Donc on va voir s'il y a un petit paramétrage dans les préférences là pour lui dire. Où est-ce que je peux trouver? Matériel sonore. Voilà, casque. Sortie casque. Donc là, où est-ce qu'on met la sortie casque? Donc probablement USB audio. Est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. Je vais regarder ce qu'on a comme canaux.
Alors, on va tester. De toute façon, hop. C'est pas ça. Alors là, on a des trucs là, et on a des sorties. Donc, on va les tester, hein. Ah oui, merde, par contre, ça joue plus. Ah ouais, alors ça n'ouvre pas. Oui, parce que là, pour le moment, le casque, ça ne fonctionne pas très bien. Donc, celui-là, il fonctionne pas. Celui-là. Je n'ai rien dans le casque. On va essayer celui-là. Appliquer. Faut remonter l'intro, l'info au dev. Attends. Peut-être un paramétrage, hein? On essaye celui-là. Ok, Q-mode est bien activé. Je me méfie des fois que ça arrive à fond dans les oreilles. Donc là, pour le moment, vous voyez, j'arrive pas à faire fonctionner le casque. Alors, on va essayer d'aller direct sur DDJ audio. À mon avis, il y a peut-être un canal. Le casque, il est branché. Attends, je vais te montrer. Le casque, il est branché comme sous Windows, hein. Ici. Comment on fait? Directement devant le contrôleur, là. Donc là, hop, on branche le casque sur le contrôleur. Et normalement, je dis bien normalement, quand on active ce bouton, Q ici, et qu'on active celui-là, là, je dois entendre, même si là, le curseur est baissé, en ayant activé celui-ci, je dois entendre dans le casque la prochaine piste qui est en train normalement de jouer, mais qui là ne joue pas. Donc je n'ai pas le son, donc on va voir s'il y a différents canaux et est-ce que le logiciel reconnaît les canaux. Mais là, j'ai un message d'erreur à chaque fois qui est assez étrange. Erreur à l'ouverture de DDJ 400 USB audio. Invalide sample. Donc peut-être c'est un problème d'échantillonnage. Ah! C'était un problème d'échantillonnage. Donc là, je vais monter volontairement le son dans le casque. Donc là, j'ai la prévisualisation dans le casque. Donc, visiblement, c'est bien canal 4. Je vais essayer canal 3, voir ce que c'est. C'est peut-être pas le casque, hein, canal 3. Ah, canal 3, c'est pas bon du tout. Enfin, il y a le son, mais c'est très. On pourrait essayer avec un kernel real time. Hein. Canal 2, c'est pas mal. Alors maintenant. Maintenant, suspense. De l'autre côté, l'autre piste, si je mets dans le casque, je ne l'entends pas. Et non seulement je l'entends pas, et je l'entends pas sur le PC, mais c'est normal. Parce que j'ai pas appuyé. Donc là, vous voyez, c'est l'autre piste qui joue. Enfin non, vous voyez pas. Voilà. L'autre piste joue. Elle est mute. Mais c'est pas pour autant que j'entends dans le casque. Hein. Donc là, ça semble un peu compliqué. Donc ce qu'on va faire, on ne va pas le mettre dans le casque ici, mais on va le mettre dans la cabine. Et on va mettre canot 1-2. Non, c'est pas dans la cabine. Donc on va mettre casque. Casque. On va voir si en mettant les canaux 1-2, on a les deux. C'est que du paramétrage. Donc là, pas de son du tout. On n'a pas de son du tout. Alors, je vais mettre 3-4, parce qu'il y a des sorties de l'autre côté. Suspense. Non, c'est pas ça. Donc là, si je me mets en canal 4, d'un coup. D'un coup, j'entends plus rien.
Alors ça marchait tout à l'heure. On n'est pas... Je vais faire le live jusqu'à ce que ça marche. Non, quand même pas. Ouais, il est 20h48, vous voyez, on n'est pas au taquet quand même. Donc canal 3, canal... On a dit canal 2, ça marche à peu près. Ce qu'on va faire. Regardez, on va quand même tout couper. On applique OK. OK. On recommence. Hop là, voilà. Donc là, les petits boutons casque, on les active, on les désactive. Donc normalement, je devrais entendre quelque chose. Ah ouais, mais le con, il a baissé le son du casque, Adrien. Adrien, il avait baissé le son du casque. Donc forcément, il y a un moment où, voilà. Donc, j'active le casque numéro 1. On entend bien la prévisualisation. J'appuie le casque numéro 2. On entend bien l'autre. Donc c'est bon. Fallait juste que je monte le son du casque. Je l'avais baissé tout à l'heure. Ok. Donc là, on est bon. Alors, hop, j'arrête tout ça. Donc là, il y a une fonction que je n'utilise absolument pas. C'est ça. Le petit truc qu'on a au milieu, là. Ici, qui permet de basculer d'une source à l'autre. Donc on est pas mal. Même si en soi, je monte ça. Et ça reste au milieu. Donc on est pas mal. Donc on arrive à piloter à peu près bien. Je vais regarder juste si... Ouais. D'accord. Donc là on est pas mal. Ça, le pitch fonctionne. Hein, donc c'est le fait d'accélérer ou de ralentir la musique. Ok. Je sais pas si vous entendez là, mais... Ouais, si vous devez entendre. Donc on a la possibilité normalement de modifier le tempo, mais ça n'a pas l'air de vouloir être pris en compte, si. Si. Voilà, donc ça c'est bon. Donc ça c'est bon, ça fonctionne. Accélération, ralentissement. Salut Amélie. Donc on est pas mal. Alors, on est pas mal. Donc on a ça. Donc là, on n'est pas trop mal. Maintenant, ce qu'il faudrait voir, c'est si on a la possibilité de tester juste vite fait un mix. Je sais même pas ce que j'ai mis comme... C'est quoi ça? Oui, ça. Hop, attends, on va juste essayer de voir si on en a un qui serait à peu près mixable pour tester. On va tester un truc, de toute façon, on risque rien. C'est de la musique libre. Hop, donc on va tester comme ça. Hop, regardez, on va quand même mettre le casque sur les oreilles. Vous allez entendre le son de l'autre côté. Hop, je fais comme ça. Non, je fais pas comme ça. On va déjà tester ça comme ça. Je vous mets le son un peu plus par là. Ok. Oh, trop bien. Ah ouais, j'ai le son dans une oreille par contre. C'est pas sympa. On a le son que dans une oreille. Là, j'ai que le son là. Là, tu veux de la basse. Alors, voilà. Là, on est pas mal. Alors, hop. Est-ce qu'on est bon ? Pas du tout. Alors attends. Ok. On va essayer. On va voir ce que ça donne. Est-ce que ça fonctionne? Ouais, ça fonctionne. Alors, hop. Ah. Un bouton ne fonctionne pas, dites donc. Hop, je vous épargne quand même. C'est celui-là pour rechercher plus vite. Ok. Donc, on y retourne. Ah, non. Ah, il a tout cassé, Adrien. Ok. Donc là, on devrait avoir un truc pas mal.
Bon, mis à part que... On est pas mal, soit dit en passant, on est pas mal, sauf que quand le son avance, ça c'est le truc que vous voyez pas, mais quand le son avance, hop, on va remettre de la basse, et que je bouge ça, alors on va essayer d'éviter une catastrophe en direct, quand je, donc là on a la piste en haut qui joue, quand je manipule ceci pour aligner, ce n'est pas... C'est pas très, comment dire, la sensibilité n'est pas au top. Ça a le mérite d'être pas trop mal, dans le sens où, je vous le fais sans bouger, hein, mais là, normalement, les deux pistes, 135-135 BPM les deux, sont ici au même rythme. 135-135. Ce qu'on va faire, on va faire une petite boucle là. De toute façon, on s'en fout, on n'entend pas la musique. Voilà. Je fais la même ici. Voilà. Et donc là, si je veux effectivement... Alors, je vais monter le son exprès pour bien qu'on voit les petites ondes. Ok. Et ici, si on essaye de lancer et d'être calé comme il faut. Donc là, on n'y est pas du tout. Je sais pas comment je peux vous faire. Voilà, comme ça. Ici, on vient caler, mais tu vois, là, je bouge. J'arrête de bouger, ça bouge encore un peu. Je vais enlever tout ça. On va laisser que les basses. Ouais, vous entendez pas trop. Dommage. Comment je peux vous faire ? Comme ça. Là, on n'est pas bon. Le calage, il y a mieux à faire quand même. Mais bon, on arrive à mixer. On arrive à mixer, à peu près. Ce que je voulais voir, c'était... Ah oui, c'était ça. C'est mignon, cette petite boucle. Donc là, je peux accélérer. Et là, un truc que j'en rêvais, il kiffe. C'est quand on accélère les musiques. Mais on sent que le son est plus aigu. Et là, je voudrais juste vérifier un truc, c'est si on a la possibilité de bloquer la clé à D. Là, on voit que la clé est à D. Je bloque la clé à D. Non, c'est pas ça. Donc là, il me fait un truc, je sais pas ce qu'il me fait. La musique joue toujours, je n'ai pas... La musique joue toujours, il ne se passe plus rien dans le logiciel. Bon. Donc, mystère et boule de gomme. Hop. Get a move on. Alors, attendez. On va quitter. On va relancer. Hein, oh. C'est qui le patron ici ? Bon. Bien. On va relancer, donc... Get the move on. Donc, vous voyez, là, c'est... Ah ouais, ici, vous allez voir ici en même temps. Donc là, ce petit bouton ici permet de sélectionner celui-ci. Donc ça, ça marche. Ça, ça fonctionne. On avait dit get the move on. Ici, je charge la piste. Très bien. Là, j'avance. Donc, je baisse. Ça, ça marche. OK. OK. Donc là, il y a un petit bouton. Normalement, c'est pour aller plus vite à la position, mais... OK. Donc là, je vais mettre ça. Hop. Là, la boucle, elle reste mémorisée. Donc, à la base, je voulais vérifier ceci. Rester en clé D. Ouais. Ça va à peu près. Et... Bon, c'est pas mal. Donc, on arrive à faire fonctionner ça. Ceci, ce sont les effets. Ici, on a les effets. Alors, est-ce qu'on peut avoir des effets ? Je ne sais pas. Là, le bouton d'effet ne fonctionne pas.
Le bouton d'effet ne fonctionne pas. Alors, on va aller voir si on peut afficher les effets. Maximise. Ah, bah attendez, regardez, plein écran déjà. Voilà, ce sera beaucoup mieux pour vous, je pense. Donc, effects. Effects, ils sont ici. Donc, les effets, là, normalement, ce sont ceux... Je vais mettre l'écho, là. Normalement, c'est ceux qu'on active ici. Donc, tant que le bouton ici ne s'allume pas, c'est qu'on n'a pas le bon. Hein. Donc, il n'est pas là. Il est pas là non plus. On va essayer sur le deuxième effet. Donc, on va essayer. Hein. Il y a un moment, on va peut-être trouver le bon. Non. Non, 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 non. Donc, les effets ne fonctionnent pas. Donc, on n'a pas d'effet possible. FX1. Alors, FX1. FX1. Donc, les effets, on les a pas. On va voir si je vais... Je vais en mettre un à chaque. Pour voir si on peut au moins en avoir un effet. Mais tant que là, c'est pas validé, on n'a pas d'effet. Donc, bon. Les effets, on s'assied dessus. Le verrouillage de la clé, ça fonctionne. Donc, hot cue. Hot cue. Je vais mettre un autre. Hot cue ici, je le fais de l'autre côté. Hot cue, c'est ce qui permet d'ajouter des points sur la piste. Voilà, point numéro 1. Point numéro 2. Non, là j'ai mis le 6 là. Alors pour l'enlever, c'est mage. Ça, ça fonctionne. Alors on peut mettre des points sur la piste. Et comme ça, quand la piste est déchargée, je vais l'enlever ici. Donc on a dit que c'était boom que j'ai mis. Donc je vais l'enlever la piste. Je sais pas comment. Bon, je vais en charger une autre. Pas très grave. Hop, voilà. Si je reviens sur ma piste boom. Hop, je peux aller directement à 2 et il va direct au bon endroit. Donc ça, c'est bon. S'il y a des, pré-réglages qui sont déjà choisis, c'est ce qui fait que ça fonctionne bien. Tu vois, là, le pré-réglage, il est déjà là. Donc ça, normalement, on est bon. Tu vois, tous les pré-réglages, ils sont là. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est de voir si on a un pré-réglage qui est là pour... Excusez-moi, il y en a un sacré paquet. Bouton de repère. Effacer le repère. Donc ceux-là, on les a. Bouton de battement BPM, tu vois, on les a. Ah bah attends, on a les commentaires qui vont bien. Est-ce que j'ai... Voilà, bit est fixe. Select Effect Unit 3, Press Again, Clear Focus. Ok, donc ça, ce bouton, c'est censé être celui-ci, le bleu. C'est le bleu, mais il ne fonctionne pas, le bleu. Le bleu ne fonctionne pas. Alors, après, peut-être qu'il y a un endroit particulier. Alors, c'est pas grave, on va... Fixe 2. Et fixe 1. Alors, est-ce qu'il faut basculer non plus? Bon, c'est pas grave. Alors ça, ça n'a pas l'air de fonctionner. On va regarder un truc vite fait. C'est les effets. Alors, hop, on va retourner ici. On va aller dans animation. Je vais mettre quelques petits trucs. Jingle lol, là, voilà. Donc, je vais mettre, par exemple, la corne de brume. Je vais mettre... le cochon, et je vais mettre le canard. Ok, donc ici, je vais aller récupérer plein écran. Hop. Je vais aller récupérer les jingles que je viens de prendre. Donc, musique. Et on va tester. Donc, je mets la corne ici. Le canard là. Et le cochon ici. Donc, bien sûr, si j'appuie, ça fonctionne, hein. Maintenant, c'est censé fonctionner avec le bouton Sampler, ici. Ça fonctionne. Ça fonctionne et ça fonctionne. Donc là, forcément, j'en ai qu'un seul. Je sais pas ce que c'est. Ok, l'arrêté, ça fonctionne. Donc je sais pas ce qu'il m'a mis dedans.
Donc j'imagine que... Je sais pas ce qu'il me fait. Là, avec ces boutons-là, je sais pas ce qu'il me fait. Mais en tout cas, ici... Il fonctionne. Donc ça, ça marche, sauf que j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc j'imagine que si je déplace le... si je mets le canard, par exemple, sur le dernier, à nouveau, je pense que c'est celui-ci. Effectivement, il est allumé. C'est beau, hein? C'est beau. Salut à ceux qui partent, hein, je suis en même temps dans mon truc aussi, donc voilà. Donc là, ça fonctionne, on est pas mal. Ok, donc on a vu que le mix, ça fonctionne à peu près. Tiens, tu regardes, il y a du lag. Regarde, je bouge un peu, ça continue une fois que j'arrête. Ça, j'arrête et ça continue encore de bouger. Donc ça, c'est peut-être un paramétrage qui est gérable là-dedans. Platine. Définir un temps. Hop. Comportement de la manip. Temporaire. Bouton d'ajustement permanent de la vitesse. Donc il y a peut-être quelque chose à modifier. Mode de repérage. Ah, bah voilà, mode pionnier. Ça peut m'aller bien. Couleur. Palette de piste. Ah, bah voilà, regardez. Palette de piste, on va mettre record box. Ici, on va mettre record box. Comme ça, on va pas trop s'y perdre. Voilà. Bon, c'est cool. Non, c'est pas... sur Windows, le truc n'est pas pareil. Bon, c'est bizarre. Ouais, je sais pas. Je ne sais pas. Bon. Ok. Donc, là, on est à peu près sur un truc qui marche. On a, donc ça, on a dit que ça marchait. Hop, si je remets la boucle fonctionne. J'enlève les aigus. Les graves, pardon. Je mets du grave, ça marche. Ça, ça marche. Ok. Donc, les fonctions de base fonctionnent. Ça, c'est cool. Diminuer la boucle. Yes. Ça, c'est bon. Donc, on a quand même... On a quand même... ouais, non, la machine, elle est bonne. Hein. C'est un truc plutôt récent. Donc là, on a quelque chose de fonctionnel tant à peu près là. Maintenant, la question qu'on va se poser, c'est... Est-ce que l'on peut diffuser en direct en même temps? Le lag quand même. Attends, on va regarder. Donc l'equalizer, c'est pas ça. Courbe du curseur de mixage. Je sais pas ce que ça veut dire. C'est bien compliqué. Matériel sonore, alors, hop, tampon audio, ça on va pas le toucher, synchronisation de plusieurs cartes son, non, ça non, ouais, ok, donc là c'est bon, les délais là sont bons, là on a rebas, ok, bibliothèque, ça nous concerne pas, c'est là où il y a la musique, donc le contrôleur, ok, contrôle vinyle, donc là, c'est si vraiment on a branché des platines vinyle, c'est pas mon cas. Ça, ok. Par contre, j'aurais bien voulu un truc. C'est que ça, ce soit sombre. Mais enfin bon, c'est pas grave. Forme d'onde, donc on a vu, on a réglé. C'est les formes ici. Là, donc, intervalle du curseur. C'est pas ça. Ici, comportement de la molette du pitch. Donc la molette du pitch, hop, c'est ça. Hein, c'est cette molette-là. Donc... Ok, c'est pas pour nous. Ici, mais je verrais bien quand même un sensibilité progressive. Saut abrupt, augmentation douce. Donc le saut abrupt, ça fait que, à mon avis, ici, d'ailleurs, quand je bouge ça, ah merde, c'est celui qui est de l'autre côté, pardon. Quand je bouge ça, ça le fait direct.
Si on fait augmentation douce, à mon avis, on y va d'un coup. Ouais, bon, je sais pas trop. En tout cas, peu importe. Bouton d'ajustement permanent de la vitesse. Clic droit, clic gauche. Je sais pas ce que c'est, ça. Couleur. Ouais, égaliseur. Donc, c'est pas ça pour nous. Ça, c'est pas bon. Effet. Donc, c'est pas nous. Ça, c'est plutôt les potentiomètres. Donc, c'est les boutons qui sont ici qui correspondent à ceux qui sont là au milieu pour moi. Hop. Là. Ok. Donc, ça, c'est pas pour nous. Greffon, je sais pas ce que c'est. Auto DJ, bon, bah ça, ça sert à rien. Diffusion en direct, ça, c'est ce que j'ai utilisé au début hein, quand j'ai mixé sur YouTube et que je mettais pas le son. Hein, j'avais un serveur Icecast à la maison et donc là, on peut connecter sur un serveur Icecast. Enregistrement, bon, bah, ça m'intéresse pas dans mon cas ici. Détectement du BPM, donc là, le BPM, c'est ça, hein, c'est bits par minute. Donc c'est ici pour détecter et avoir les petites barres qui vont bien, pour vous faire simple. Détection de tonalité, pas ça. Appliquer le replay gain, bon bah pourquoi pas, c'est pas ça. Et là, c'est pas ça non plus. Donc le petit lag là. Dans curseur de mixage, tu crois? Curseur de mixage. Inverser le curseur de mixage. Mixer. Tu crois que si on fait ça? C'est pareil. Hein. C'est plutôt ça, non? C'est pas tout à fait pareil. Hein. Oh, je sais pas. Je sais pas. Ça a pas trop l'air de faire de l'effet. Ah, tu crois qu'il faut faire appliquer? Attends, ok. Pardon. Hop, je remets comme c'était. Appliquer. Je reviens à fond. Appliquer. Non, tu vois, une fois que je lasse le truc, ça continue encore un petit peu. Donc, c'est un peu bizarre. Puissance constante. On va essayer les 4 paramétrages. Appliquer. Ça continue. Et là, attends, je refais appliquer. Ouais, ça a pas l'air d'être ça. Hein. Bizarre, bizarre. Bon, écoutez. On est déjà pas mal. On a de la petite musique. Ah oui. On va tester la latence. On est pas mal. Ce que je veux dire, c'est qu'entre le temps où j'appuie sur le bouton et le temps où on a le son, c'est synchro. Donc, on est pas mal. On est pas mal. On est pas mal. Bon, c'est pas terrible quand même, parce qu'on peut pas mettre de la musique commerciale hein, pour vraiment essayer de mixer. Donc, c'est un peu compliqué. Ah ouais, mais ça, c'est la petite... Ouais, c'est chaud, hein. On peut pas. On ne peut pas. Oh, faudrait accélérer le truc. Ouais, bon, bref. Bon. On va dire que pour le moment, on a quelque chose d'à peu près correct. Maintenant, le truc, c'est qu'il va falloir essayer de faire ça sur Twitch. Alors. Ce que je vais faire, je vais faire mes mix, hein, c'est que ça fonctionne, et on va installer OBS, puisqu'on en a besoin. La question est de savoir, est-ce qu'on installe OBS depuis les snaps, depuis les flatpak, ou depuis les dépôts. Apt install OBS Studio. Là, on a quoi? On ne sait pas quelle version c'est en plus. Non. Attendez. On va aller ouvrir. Ah, pas LED. OBS Studio.
Donc, qu'est-ce qu'on a OBS Studio? Donc, boutique des snaps, version 27.1.3. Et dans les dépôts, on a 27.2.3. Donc, on va prendre la version des dépôts. On va le faire graphiquement, pas en ligne de commande quand même. Hop, super mot de passe qui va bien. Salut, capitaine Riri! Ouais, non, c'est pas inutilisable. C'est que, alors déjà, je peux pas faire du commercial, ça va pas. Attends, si, on va faire un truc. Je vais couper le son et je vais faire que au casque, juste pour voir avec de la musique commerciale. On va aller dans musique par thème. Je vais aller dans les petits sons, évidemment, que je sais mixer parfaitement bien. Voilà, on va aller ici. Je vais récupérer deux trucs que je peux mixer correctement, à savoir ceci. Et ceci. Voilà. Hop. Je vais les mettre les deux dans le logiciel. On va tester. Je le fais, mais sans que vous entendiez, parce que sinon... on va se faire retoquer pour droit d'auteur. Hein. Hop, alors on va mettre le petit casque sur les oreilles. Je vais avancer là. Donc évidemment, ah bah oui, mais... Et par contre, là, je confirme qu'en mettant ça, je n'ai le son que... dans une seule oreille. Et on va voir si là, j'ai dans l'autre. Ouais, je vais faire à la souris. Non, c'est pas stéréo dans le casque. Hein. C'est juste mono. Bon, enfin, c'est pas grave. Hop. Donc, tu vois, là, le bouton, je suis obligé de le faire à la main, là. Ça, ça fonctionne pas. Bon, j'ai de la petite musique bien sympathique, hein, je vous avoue. Alors attendez, hop, vous entendez rien, hein, enfin bon. C'est vraiment pas terrible, hein, mais bon. On va tricher, hop là. Juste pour voir. On va faire une boucle. Ah oui, bah bien sûr, ça marche pas la boucle, on a dit. Oh, la cata. Alors on sort de la boucle, on va se mettre là, tranquillou. On va faire sa petite boucle. Franchement, c'est pas terrible. En plus, j'ai que... Il y a qu'une oreillette qui marche. Donc là, le truc pour caler est trop sensible. Vas-y. Bon, j'entends rien forcément. Ouais, donc là, forcément, il me cale pas comme il faut le truc. Ok, bon. À la limite, c'est jouable. Mais quand on est arrivé là et que j'ai voulu. Mettre le début de la boucle, bah, il se cale pas bien comme il faut ici, hein, comme nos petits sons qui vont bien. Alors remarque, non, tu vois, ça fonctionne pas. Donc c'est un peu compliqué. Un peu compliqué, voire même beaucoup. Hein. Bon. Donc c'est pas terrible. Hein. Franchement, c'est pas terrible. Ça, c'est la première partie. Alors, attends, je vais juste remettre de la musique là. Et là, bon, quand même, le contrôleur fonctionne, on a les boutons, mais le logiciel, il n'est pas... Si vous voulez, le matériel est bien reconnu, ça, j'ai pas de problème, mais c'est le reste, quoi. C'est le reste qui va pas. Alors, imaginons qu'on est à peu près confortable avec ce logiciel, et qu'on a ce qui nous intéresse. Est-ce qu'on peut aller sur Twitch? Alors, OBS. On va voir si on peut s'en sortir. Avec ça,
Alors, attends, hop, j'ai juste annulé là. Tac. On va lancer OBS. Ajouter aux favoris. Non, mais là, même kernel RT ou pas RT du tout, j'ai l'impression que c'est plutôt un manque de réactivité du logiciel. Alors, attends, si par contre, on va regarder apt search kernel RT. On peut tester peut-être. Est-ce qu'on a un kernel RT? Pkgs.org, on va aller sur mon site favori. C'est pas con l'idée du kernel RT. On va tester. Je pense que c'est plutôt Linux image. Linux image. RT. Non, on est sur un portable. Hein. On est vraiment sur un portable. On n'est pas sur un. On est là. Hein. On est là. Ah bah oui, mais tu vois pas. On est là. Ce portable là. Donc non, on va essayer. On va essayer quand même le kernel RT. À mon avis, ça ne règle pas le problème. Alors, kernel Linux image low latency. Voilà. CTRL C. Coller. Donc DNF install, pas du tout DNF, hein, plutôt APT. Hein. Voilà, hop, kernel low latency. Attends, APT update avant. Je l'ai installé hier, là Ubuntu, on va mettre à jour. On va essayer. Non, mais c'est une bonne idée le kernel RT. Attends. Voilà, hop. Kernel low latency. Oui. Ce qui me laisse le temps d'aller boire un petit coup. Et donc on va redémarrer dessus, donc c'est le 5.15.0. Bah, de toute façon on va faire ça avec Grub. Le noyau générique est un noyau permettant de traiter très faible. Ouais, alors hop, reboot. Alors attends, juste avant de reboot, je vais pour que j'ai à nouveau le petit assistant rm-rf OBS Studio. Je vais supprimer les préférences d'OBS, comme ça on aura à nouveau le petit assistant. On va attendre que ça redémarre. Je relance AnyDesk. On va tester parce que le kernel RT real time permet normalement de gérer à peu près comme il faut. Ah merde, il a démarré tout de suite. Alors ouais, attends, je sais pas si je suis sur le kernel RT aussi, c'est ça mon problème. Hop, attends, j'ai plus vite fait de faire ça et de me reconnecter. Hop, voilà. Alors, uname-a, à mon avis, on n'y est pas sur le kernel RT. Si, c'est bon, low latency. Ok, on recommence. Donc, mix, kernel RT, vous avez peut-être pas vu, hein. Attendez, je vous remets ça en gros. Uname-a, Linux Ubuntu, low latency. Je baisse le son parce que bien sûr on va remettre nos petits morceaux favoris. On teste. Alors bien sûr je vais avoir le son dans une oreille, ça c'est encore pareil. Ok. Voilà. Ça me défonce les oreilles. Ah oui, tiens, le beat jump, il fonctionne? Non, fonctionne pas le beat. Ah si. Si, ça fonctionne le beat jump, c'est bon. Ok. Ah, on teste. Je fais juste une boucle à la con. Alors par contre, là, évidemment, on va devoir faire un peu de bidouille. Hop, bouton magique, voilà. Je sais pas. Il y a un peu de latence à nouveau, mais
j'ai l'impression, petite impression, que j'arrive à mieux caler quand même le titre. Là, vous, bien sûr, vous n'avez pas entendu, puisqu'on est sur des titres commerciaux. Hop, je remets ça ici, je remets ça ici. Je sais pas, je... C'est juste un avis. J'ai l'impression que j'ai réussi à mieux caler le titre. Mais comment l'évaluer, je sais pas trop. Bon. On va quand même essayer de paramétrer le truc pour streamer en même temps. Parce que... Voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais juste optimiser pour l'enregistrement. Je vais pas diffuser. Hop. Donc là, je vais laisser ça. Je vais laisser les paramétrages, puisque de toute façon, nous, on veut balancer du son. On sait que la caméra fonctionne, normalement. Il y a une caméra hein, sur l'ordi, donc on va essayer. On va essayer. Alors là, par contre, la luminosité, elle va pas être bonne. Je suis pas bien mis comme il faut, mais vous allez voir. On va essayer de régler vite fait avec l'écran. Mais après le kernel RT, je saurais pas dire. Je ne saurais pas dire. Alors, on va ajouter ici. Périphérique de capture vidéo. Donc, cam. Je ne sais pas ce que c'était qui vient de se casser la figure. Voilà. Coucou. On se voit. Comme ça. Donc là, nickel. Résolution, c'est bon. Donc imaginons qu'on veut le mettre un petit décor. On voit vraiment que la caméra, la luminosité est vraiment nulle. On va ici, donc, tac, ajouter filtre. Filtre audio vidéo. Alors, hop, ce qu'on va faire, on va faire rogner. Hop, regardez, à gauche. Hop, pas trop, mais à droite, on va me rogner de 500. Ah, pavé numérique, ok. Et puis, ce qu'on va faire, on va se mettre une petite chroma key. Ok, fond vert. Alors là, on voit que la luminosité est vraiment pas terrible. Si on voulait vraiment que ce soit plus joli, il faudrait que l'éclairage soit quand même largement mieux. C'est pas terrible. Donc là, on n'est pas du tout dans un contexte comme il faut pour l'éclairage, mais vraiment. Ok. Donc là, c'est juste que l'image, elle est vraiment pas... elle est pas ok. Hein. On pourrait faire quand même beaucoup mieux. Hop, finesse. Luminosité, gamma. Donc là, c'est vraiment et la qualité de la caméra et la qualité... du fond qui fait qu'on n'est pas terrible. Mais on voit que chroma key, c'est à peu près bon. Quoi. Ok. Pas mal, regardez. Vous voyez, hop, tac. Donc ça, on est pas mal. Après, vous savez que si je peux... Attendez, je peux lancer OBS. Comment je peux faire Parce qu'il y a des trucs qu'il ne faut pas que je vous montre. Si je lance pas Recordbox, mais que OBS, normalement c'est bon. Juste, j'ai pas le micro. Hein. Micro, il n'est pas branché. Micro, il n'est pas branché, mais c'est pas grave. Il faudra juste que je reconfigure ma source. Donc là, on a tout le blabla là autour. Là. Alors le problème du blabla autour, c'est que je ne peux pas vous montrer l'URL de mon overlay, c'est pas terrible. Donc là, ce sont des sources web qu'il faut ajouter. Problème, nous n'avons pas de source web. Vous voyez, on n'a pas de source web. Si je vous montre le OBS chez moi ici, sur Gen2, j'ai les sources web. Vous voyez, c'est ce qui permet de mettre tout le tour là. Voilà, vous voyez, tout le tour là, qui est là, il est là. C'est la source web. Donc là, sur Ubuntu, je n'ai pas la source web. Pourquoi? Je ne sais pas. Petite anecdote, sur mon système, OBS Studio... Voilà, donc on a OBS Studio, version 27.2.4, très bien. Il y a un petit use flag là qui s'appelle Browser, qui permet d'activer les sources web.
Donc là, par contre, il va falloir aller à la pêche aux infos. Alors, OBS. OBS Studio. Et alors, est-ce qu'on a un plugin ou un truc comme ça dans les dépôts? On va sur le site magique. Ok, Ubuntu, très bien. Donc là, on n'a que OBS Studio. Ok. Donc ce qu'on va faire, on va fermer ça, et on va faire... Non, il va pas oser, si. On va installer OBS Studio depuis les Flatpaks. Alors, il faut juste que je trouve le bon. Parce qu'il me semble que dans les Flatpaks, on a tout. OBS Project, donc c'est le 2. Ouais. Dans les Flatpaks, on doit avoir le petit plugin. Le problème, c'est que c'est un plugin sous Windows, c'est inclus par défaut. Et pour la petite anecdote, sous Windows, il y a un paramétrage ici, ok, qui est dans qu'on ne retrouve pas sous Linux, puisque ça c'est ici. Alors vidéo, non, c'est pas là. Avancé. Voilà, dans source, là, dans avancer source, activer l'accélération matérielle pour la source navigateur. Ça veut dire que là, ça utilise l'accélération matérielle, donc la carte NVIDIA en question. Cette option, on ne la retrouve pas sous Linux, puisque c'est un plugin à part. Si je vais là dans avancer, vous voyez que je n'ai pas l'option dans source pour enregistrer, pour utiliser l'accélération vidéo. Je reviens là. Donc on est vraiment mal barré. Par contre, dans le Flatpak, je sais que Flatpak run OBS. Alors attends, OBS Studio, ouais, évidemment. Faut que je vous lance le bon. Flatpak run. Là j'ai les deux, donc forcément l'icône, je sais pas trop ce qu'il fait. Voilà. Donc on va recommencer. J'utiliserai que la caméra virtuelle, allez hop, c'est bon. Ok, et là si je vais dans source, regardez, j'ai navigateur. Incroyable. Donc je remets ma caméra, puisque bien sûr c'est pas mémorisé mes paramétrages. Juste l'interface, elle change un peu. Donc on va faire Ronnie encadré. Ok. Donc on a dit que c'était à droite. 500. Non, 150. Non, 500. Voilà. Fermé. Et je vais remettre, si j'ai oublié, le chroma key. Plus. Chroma key. Ok. Et là, vous allez vraiment très vite comprendre pourquoi... Bon, allez, vite fait. Hein. Vous allez très vite comprendre pourquoi je suis revenu sous Windows pour mixer. Hein. Mais bon, on va donner sa chance au logiciel libre quand même. Hop, voilà. Donc là, on va ajouter une petite source. Navigateur. Donc, stream élément. Voilà, on a la source visible. Donc là, forcément, 1920 par 1080. Ok, d'accord. Je vais mettre la source là. Alors, je ne vais pas vous montrer la source. Je ne peux pas vous montrer la source quand même, faut pas déconner. Hop. Alors, si je fais ça, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez rien. Ça me va très bien. Hop. Donc, je vais aller juste prendre les deux sources qui m'intéressent. Hop. Ici. Tac. OK. Et je vais aller prendre la deuxième source qui m'intéresse. On va pas en mettre 36 000, hein, des sources. Hop. Parce qu'en fait, il y a l'URL exacte de la source, donc c'est quand même mieux de ne pas vous la communiquer. Hop, je vais mettre Emote. Ok. Tac, 1920.
Vous inquiétez pas, on revient. Hein. Par 1080. Ok. Voilà. Je vous remets ici. Tac. Hey. Bien. Donc vous m'entendez toujours? Oui. Donc là, on a l'overlay qui revient, très bien, on a Jean Rêvé qui est là-haut. Et donc, si je balance, parce qu'on n'a pas encore branché le Stream Deck, hein. Si je balance quelque chose, tac, waouh, ok. Donc là, on est sous Linux, c'est génial. Donc j'ai juste mis au niveau de l'overlay, j'ai juste mis le mur... le mur des mottes, et puis l'overlay stream element. J'ai pas mis le petit truc là en bas, j'ai pas mis le dragon, j'ai pas mis plein de trucs. Hein. Donc là, c'est bon. On a au moins ça qui fonctionne. Donc ceux qui me connaissent sur Twitch, hein, voilà, vous pouvez balancer des conneries sur le chat, hein, et donc des smileys, et vous allez les voir arriver ici, ça va être très marrant. Donc ça, ça fonctionne. Vous voyez, mon micro, là, fonctionne. Maintenant. Vous voyez, gesticulé, là. Maintenant, la question qu'on va se poser, c'est... peut-on... parce que là, je ne vais pas enregistrer. On sait que, en plus, la machine, elle n'est pas top. Il faudrait que je configure l'encodeur, etc. On sait que, sous Linux, on peut streamer sur YouTube, sur Twitch. J'ai déjà fait, c'est pas le but ici. Par contre, on voit même que Firmin sur Twitch me suit à l'instant. Donc là, on voit que les alertes fonctionnent, c'est génial. Maintenant, si je lance Mix, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que si je mixe, l'audio du bureau va être enregistré? Bonne question! De mes souvenirs, ça ne fonctionnait pas à l'époque. Donc on va charger un titre, on va en charger un autre, on balance le son, vas-y ma poule, je monte le son. C'est ballot, hein, il n'y a plus de son. C'est ballot, hein, il n'y a plus de son. Il n'y a plus de son. Voilà. Non, j'ai pas lancé le truc. Tiens, d'ailleurs, je vais regarder juste vite fait s'il n'y a pas eu une alerte sur les différents endroits où c'est censé mettre que je suis en live. Bienvenue dans le lagoon. Non, ça va, il n'y a pas eu d'alerte ici. Et il n'y a pas eu d'alerte ici. On est bon, donc ouf. Donc là, voilà, je joue, mais il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son ici. Je lance le deuxième, il n'y a pas de son. Donc là, on voit qu'il y a bien du son qui est là. Alors, pour le moment, il n'y a pas de son. Ah oui, ici, si, mais attendez. Ah, il y a quelqu'un qui gaspille des points, là. J'ai pas mis les sons. Sortie. Donc là, forcément, il m'a remis là-dessus. Attention. Alors, attendez. Hop, on va quitter ça. On va relancer. Mais... déjà, j'ai plus de son, j'ai perdu le son. Et voilà. Mix n'est pas parvenu à ouvrir tous les périphériques de son. Et pourquoi il n'y est pas arrivé? Parce que ici, normalement, il essaye de prendre ça, sauf que on a déjà une source qui acquiert le son. Donc on va essayer avec Pulse Audio. Donc évidemment, il va falloir que je reparamètre mon casque. Mais mon casque, on ne voit plus le DDJ là. Il n'est plus dans la liste, vous voyez. C'est ça qui est fabuleux avec la gestion du son là sous Linux, c'est que mais on est coincé. Donc je sais que c'était un bazar monstrueux. Et puis j'ai pas le chat Twitch sous les yeux, donc je sais pas qui c'est qui fait des bricoles. Je sais pas qui fait des bricoles. Qui fait des bricoles. On va aller surveiller tout ça. Hop là. Mais en tout cas, déjà, voilà, j'ai pas de son. Là, j'ai pas de son. Alors, voilà. Voilà, j'ai pas de son.
j'ai pas de son, je ne peux pas faire de son parce que OBS est lancé et capture le son sous Linux. Regardez, je coupe OBS, je coupe Mix, oui, je relance Mix et vous allez voir un truc. Et vous allez voir un truc. C'est que là, je vais mettre quelque chose et j'ai toujours pas de son. Alors, ah bah oui, mais le son a été coupé, dis donc, Adrien. Tu nous fais des petites blagounettes. Attendez, on relance. On a du son. Donc là, ok. Si je vous joue de la Zikmu. Non, pas ça. Il n'y a pas le temps. On a dit quoi? On a dit Mix. Ah non, Audio Nautics. Voilà. Si je vais vous jouer un petit peu de son. On va juste baisser le son. Vous voyez, l'audio du bureau, il est actif. Je vais baisser le son. Donc là, il enregistre bien. Je mets en pause le son. Il se passe plus rien. Donc maintenant, on va essayer. Donc là, le micro, c'est comme si je parlais au micro, blablabla. Donc je lance Mix. Cette fois-ci, je laisse OBS ici. Allez, on essaye de mettre ça. Ah bah si, là ça fonctionne. Génial. J'arrête de jouer, l'audio. On est pas mal. Regardez, il y a des trucs qui marchent mieux. Alors, est-ce que c'est parce que OBS est sous forme de Flatpak? Bonne question. J'ai envie de tester. Alors attendez, ce qu'on va faire, on va ajouter une source de navigateur. En plus, 1920 par 1080. Je vous remasque, hop, ce qui se passe à l'écran, parce que le problème, c'est qu'il y en a qui dépensent leurs points. Il y a des gens qui dépensent leurs points sur Twitch, mais il ne se passe strictement rien. Donc, je vais mettre toutes les sources, comme ça, ceux qui font des bêtises. Et ben, vous allez voir tout ça. Ok. Et je vais ajouter donc une nouvelle source. Trigger. Hop. Ok. Voilà, comme ça, vous allez voir tous ceux qui font des petites bêtises, là. Hein. Voilà, comme ça, Mr. Slayers, il pourra mettre la petite dame avec les pom-pom girls. Hein. 1920 par 1080. Voilà. Hop. Ok, vous me revoyez. Donc là, il y a tout. Donc normalement, si je fais ceci, voilà, vous voyez, ça marche. C'est génial. Voilà. Alain, il nous met une petite pom-pom girl. Génial. Je vous rembourserai les points. Hein. Pas de panique. Donc ça, c'est bon. Et donc, si on met du son... Ah, rupture de stock. Oui, bah, évidemment. Voilà. Ça, ça marche. Donc là... Ok. Donc là, on voit que, bon, tous les sons fonctionnent. Pas de souci de ce côté-là. Ah oui, pardon. J'ai oublié, merci José Lito pour ça. Alors maintenant, hop là, on va essayer ici. Donc bien sûr, on ne diffuse pas en direct puisqu'on sait que ça, ça fonctionne. Donc là, je reviens là. Je rejoue ça. Ok. Donc là, on doit avoir du son. C'est génial. Je coupe. Bien sûr, il n'y a plus le son. Hey, hey, oh, hey. Hey, 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 hey. Oh yo yo yo. Ok, on arrête l'enregistrement, très bien. On va juste vérifier que ça a bien fonctionné. Je vais quitter ceci. Je sais même pas où ça enregistre. Je sais même pas s'il y a du son. Ah. Ok. Alors on va aller juste installer VLC, parce qu'à mon ami, on n'a pas le pilote. Sudo apt install VLC. On n'a pas le codec qui va bien. Ok. VLC est installé. Ok. Donc c'est nickel. Donc le son fonctionne, l'enregistrement fonctionne, génial. Donc là on est bon.
Attends, je vous fais le pouce, double pouce vers le haut. Donc oui, bah finalement, ce que je pensais qu'il n'allait pas fonctionner, il fonctionne. Hein. Donc c'est plutôt cool. On peut mixer. On peut streamer. Alors, on va remettre notre petit... on a dit que c'était quoi la musique qui était bien là ? Get a move on. Ouh ! Vous l'avez en mode sympathique. Hop, donc là, je fais ça. Et on est pas mal. Donc, on a du son. On peut manipuler. Bon, juste le calage, c'est pas terrible. Et ça fonctionne. Alors maintenant... Maintenant, on est content parce que on a le logiciel. Alors, il faut faire avec Mix, quoi. Hein. On n'a pas trop le choix. On a Mix qui marchouille. On a OBS qui marche plutôt bien. En plus, on va regarder un truc. Sudo apt install htop. On va aller voir un truc. htop. On est comment là? Donc là, on est pas trop gourmand d'un point de vue CPU. Avec les sources web, on est bien. Et alors si, donc là ça tourne. Là évidemment, si j'enregistre, démarrer l'enregistrement, ça va bouffer un peu de la ressource, hein, ok. Mettre du son, c'est pareil, hein. Bon, voilà. Donc ça fonctionne. Maintenant, la question est la suivante. Vous rappelez, en début de vidéo, j'ai dit on a un Stream Deck. Alors par contre, oui, j'ai pas la réponse à la question du pourquoi il n'y a qu'un seul écouteur du casque qui fonctionne. C'est comme si on était en mode mono, pas en mode stéréo. Bon. Écoutez, on a des bouts qui marchent, c'est pas mal. On va voir la partie Stream Deck quand même. Donc là, sur le Stream Deck, sur lequel, bien sûr, j'ai pas assez de fil. Je vais tout péter. Alors, le prochain stream, vendredi, ça va être coton. Il va falloir tout remettre. On a un Stream Deck, là. Ah, bah si, voilà, c'est bon. On a un Stream Deck. Ok. Je vous le mets comme ça. Comme ça, voilà. Donc, si on appuie sur les petits boutons qui vont bien, hop, j'envoie plein de cœurs. Et donc, forcément... Les cœurs s'envoient actuellement sur le chat. On va faire ça. Regardez. Donc on va mettre... C'est compliqué avec juste une... twitch.tv/AdrienLT_DJ. Voilà. Bon, je ne vous montre pas le panneau de modération parce qu'en fait, il n'y a rien à voir. Ouais. Merde, ça lag un peu cette affaire. Hop, voilà. Donc je vous montre ici. Ok, quand j'appuie ici, donc je vais vous balancer par exemple des petits du feu là. Hop, voilà. J'appuie sur le bouton qui balance des petites flammes. Donc dans le chat, on a directement les petites flammes qui arrivent. Et bien sûr, sur l'OBS, ça marche. Si je vous balance des petits cœurs, hop, voilà. Je vous balance des petits cœurs, ils arrivent. Ok, et bon, on voit les gens qui disent coucou, c'est parfait. Alors maintenant, ça là, ça, ce Stream Deck, est-ce que ça fonctionne sur Linux? Eh bien, c'est une question qu'on va se poser. Alors dans ce cas-là, ce que je vais faire, je vais fermer ça, je vais éteindre le PC qui est derrière moi pour être sûr de ne pas déglinguer le Stream Deck, les paramétrages. Et on va tester, à mon avis. Hop, voilà. Donc le Stream Deck se gère évidemment avec un logiciel. Donc, je branche le Stream Deck dans le PC. Qu'est-ce qui se passe? Le Stream Deck, s'allume, c'est bien. Le Stream Deck s'allume, mais bon, il s'allume. Si on revient sur notre terminal et qu'on fait un petit LS USB,
Qu'est-ce qu'on voit? Elgato System Stream Deck Original V2. Bon. Donc le matériel, il est reconnu. Sauf que maintenant, ben, je vous montre là, hein. Stream Deck Logiciel. Tac, voilà. Est-ce qu'on a une petite image? Voilà. On a ce genre de logiciel là. Je vous affiche l'image. Ok. Vous avez une petite appli comme ça. Et donc là, vous programmez les boutons. Et en fonction de chacun des boutons, vous dites voilà, est-ce que c'est un message sur le chat de Twitch, etc. etc. Alors maintenant, est-ce que ça fonctionne? On va aller sur le site Elgato. Et on va lui dire donc que mon produit c'est un Stream Deck. Merde, par contre j'ai pas le modèle. Je crois que c'est le. Parce que le problème c'est que vu que c'est pas moi qui l'ai acheté, on me l'a offert. Je sais pas ce que c'est. Alors attendez, hop, on va aller regarder. Stream Deck Mini, c'est pas ça. C'est celui-là. 1, 2, 3, 4, 5. Il fait 5 par. Donc il fait 3, 4, 5 par 3. Ouais, c'est celui-là. Donc c'est le Stream Deck MK2. Donc on va voir déjà, première chose. Est-ce qu'on a. Donc MK2. C'est disponible pour Windows et Mac. Voilà. Donc déjà, on est un peu mal barré. On va tester avec Wine. Remarquez, on l'a sur mobile. Ça peut être une interaction, pourquoi pas. Alors non, merci. On va essayer. Hop, alors attendez, il faut que je lise le chat parce qu'en plus, je suis dans mon truc là. Ah, faudra qu'on regarde ensemble Mister Slayers là. Pour ce MySQL. Foulk, salut. J'apprends des trucs et des machins. Ouais, là c'est un peu un stream, on sait même pas si on va arriver jusqu'à la fin, quoi. Tu as un logiciel pour le Stream Deck dans la boutique Flatpak. Ah, alors attends, on va aller voir ça. Je teste la version Wine, tu sais, le bebe qui sait pas quoi faire. Donc qui installe depuis Wine. Ah mince, il me lance la bouteille. Alors. Hop, je retourne ici. Je ferme pas Mix, hein, vu qu'il fonctionne. Téléchargement. Alors, streamdeck.msi. Afficher toutes les applications. On va essayer avec. Ouais, bon, si on va essayer avec bouteille, qu'est-ce que je vous dis? Hop. Non, je ne peux pas. Alors, attendez. Hop. Wine. Streamdeck.msi. Boum! Pas cool. Allez, hop, bouteille. Ah, on va aller voir le logiciel. On va aller voir le logiciel qui propose en Flatpak. Là. Allez, on essaye à nouveau. Alors, plus Stream Deck. Donc, application, créer. On va essayer. Alors autant la dernière fois Stream Element il disait rien du tout, autant là il parle à notre Stream Element. Là. Alors la bouteille a été créée. Yeah. Donc Stream Deck, lancer l'exécutable, Stream Deck MSI. Finish déjà. Programme, je sais pas comment ça marche ce truc là. La dernière fois, Stream Deck application. La dernière fois, le programme était là une fois que c'était installé. Non, ah non, ended prematurely. Ok, donc ça fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, donc on va laisser tomber la solution. Pour le moment, c'est 0 pointé sur Wine. Hein. Tous les trucs qu'on a voulu faire avec Wine, c'est nul de chez nul. Donc je vais rafraîchir ça.
Et on va regarder, on va chercher Stream Deck Flatpak. Alors, Stream Deck Flatpak. On va aller chercher le nom. Ah, j'ai trouvé le nom, c'est Boatswain. Ok. Donc ça sert à rien que je cherche. Hop. Boat. Comment t'as dit? Boat. Swain. Bon, attends, on va le faire en ligne de commande. Flatpak install Boatswain. Boatswain. Mais après tout, regarde, quand on fait un LSUSB en plus gros, il est là, hein, le Elgato Stream Deck. Donc on voit que le problème. Les problèmes auxquels on est confronté, attendez, vous savez ce qu'on va faire, vu que là ça parle plus de ça, voilà, vous allez peut-être me revoir, c'est plus sympa. Les problèmes auxquels on est confronté, c'est absolument pas une reconnaissance du matériel, hein, puisque Pioneer des DJ400, il est reconnu, hein, Linux le reconnaît, Elgato System, ici Stream Deck, il le reconnaît. Le problème n'est pas la reconnaissance du matériel, mais c'est bien le logiciel qui n'est pas disponible. Alors, on va lancer Flatpak Run. Je connais pas ce logiciel, mais bon, s'il fait. No Stream Deck found. Ok. Alors, tac, qui est mort, cut, about. Ok. Ah, il y a, par contre, le logiciel a l'air sympa. Alors, ce qu'on va faire, vu que c'est du Flatpak, ouais, on va allow. Ah oui, évidemment. Je l'ai, mais Flatpak install Flatseal. J'en ai parlé dans une vidéo de Flatseal. Peut-être que le Flatpak, il n'a pas le droit de communiquer avec le USB là. Alors, hop. Je vais juste regarder. Est-ce que Flat. Ok. Là, c'est bon. On va juste donner toutes les permissions à ça, donc permission sans fil, pulse audio, session des bus, voilà, hop, je vais lui donner tout ça, carte à puce, on s'en fiche, accélération GPU si tu veux, appel, alors programme de données, ouais, bon, au pire, on va lui donner toutes les c'est le Flatpak, c'est conteneurisé, mais je m'en fiche, moi, je veux qu'il ait accès à tout, on fait ça en mode gros bourrin, hein, vous inquiétez pas, tu peux envoyer des notifications si tu veux, et haut-parleur appareil photo, donc ça peu importe, cet homme est fou. Bon, allez, hop, je donne tout, même si c'est pas le truc. Hop, alors je vais relire quand même le truc. Alors peut-être qu'il faut que j'enlève le Stream Deck et que je le mette au moment où l'appli est lancée. En attendant, je vais vous lire. Voilà, je remange le Stream Deck. Y a-t-il un dépôt propre à Flatpak? Ou tu as des logiciels? Non, les dépôts Flatpak n'existent pas dans ta distribution. Okay. Donc là, salut à Davius. Bonne soirée, Ricky. On en est où? On essaie de faire fonctionner le Stream Deck. On essaye de faire fonctionner le... attendez, où est la caméra? Voilà, on essaie de faire fonctionner le Stream Deck. Donc, il n'y a pas de logiciel de Elgato. On a une application ici, mais qui n'a pas l'air de vouloir fonctionner. Alors, hop, on va regarder si on a ce logiciel dans les dépôts ou au format DEB. Ça m'arrangerait. Et sinon, on a un peu avancé. Alors, attends, hop. Toc, download. On va voir si. Je vais peut-être préciser.
Stream Deck. Et après, je vais te montrer juste... je vais te montrer où est-ce qu'on en est. Hop. Gaming on Linux. Alors, il existe qu'en Flatpak, ce truc? Alors. Ah oui, ok. D'accord, il y a la traduction. Ah ouais, c'est une appli Gnome en plus. Ok. Alors, Boat. Swain. C'est étonnant que ce soit pas dans les dépôts. Sudo apt install. Ouais. Moi. Quelqu'un d'Oxon qui vient. Bah, bienvenue, voisin d'Oxon. Ah, mais bah, il y a du monde qui arrive là. Bonjour depuis la Guyane. C'est le Stream Deck Original V2. Ouais, je suis parti sur une Ubuntu. Hop, je reviens ici, tu vois. Le Stream Deck, il est reconnu. Le contrôleur des DJ400 qui est ici est reconnu. On est... Ah, par contre, on est sous Xorg ici. Hein. On est sous Xorg pour que je puisse prendre la main sur le PC avec AnyDesk. Je te refais un petit topo vite fait. On a le mix qui marche, hein. C'est bon, ça fonctionne. Alors pas terrible, hein. Pas terrible quand même. Pas terrible dans. Alors tu vois, les trucs fonctionnent à peu près bien. On a 8 là. Hein? Voilà. Donc ça, il n'y a pas de problème. On arrive à mixer à peu près bien. Et presque bien. Tu vois, si on fait ça, moi je vais bouton magique, hein, hop. On arrive à peu près à mixer. Juste le calage à la main, c'est pas terrible. Et la pré-écoute dans le casque, c'est pas top. Parce que la pré-écoute dans le casque, bah là d'ailleurs, ça marche plus. Ouais, j'ai dû recasser un truc. Mais c'est pas mal, ça marche à peu près. On est pas mal. Alors remarque, on est pas mal là, on est bien calé. Attends, je monte encore le son. Bon, ok, on a compris. Donc là, ça fonctionne à peu près bien. Ça fonctionne à peu près bien. On a testé avec le kernel real time. Voilà, c'est juste qu'en fait, quand on bouge, quand je bouge le, alors attends, tu vois plus là. Hop, je refais comme ça. Quand je bouge ceci, tu vas voir, il y a un peu de latence. Alors, en gros, je bouge là, tu vois, et continue à avancer, alors que je ne touche plus le truc. Voilà où est-ce qu'on en est. Et la partie OBS, donc évidemment, si je joue du son, hein, on a. Alors, si je joue pas de son, on baisse ça. On a le micro qui fonctionne, l'audio qui marche, on a la caméra qui marche avec le fond. Ben, en fait, avec le fond vert que tu vois là, on a testé de mettre le fond vert, puisque le fond vert qui est juste là, voilà. Bon, pas très bien paramétré, on est d'accord. Et puis, on a les événements qui sont fonctionnels. Donc, l'overlay ici, hop, je mets en gros. L'overlay ici, le fait de mettre des petits zigouigouis sur le chat de Twitch. Hop, voilà, l'effet bien arrivé sur OBS, là. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Voilà, hop, si je mets par exemple Fire, voilà, il va y avoir plein de petites flammes, voilà, donc ça fonctionne, nickel. Ça fonctionne, ah, pour le mode Scratch, ah ouais, il faut virer le mode Scratch, je pense. Ah oui, j'ai pas pensé à ça. Donc ça fonctionne, tout fonctionne. Ouais, c'est vrai que moi je scratch pas, donc bien vu. Bien vu. Le mode. Mais je sais pas où, par contre, où ça se règle. On a parcouru les options, mais je sais pas où c'est.
je sais pas où c'est. Je sais pas où c'est. Je pense pas que c'est dans le contrôleur. Ça, c'était tout, tout était détecté par défaut comme il faut. Et le noyau, ouais, j'ai pas eu le temps de répondre, c'est le low latency. Oh là là. Une aim. C'est le low latency 5.15 qui est par défaut dans Ubuntu 22.04 qui me sert de base pour cette magnifique démonstration. Alors, hop, le scratch. Ouais, faut peut-être virer le scratch. Alors, j'ai pas vu où c'était. Curseur de mixage. Bon, ça va pas être là-dedans. Et là, bon, bah, c'est pas étonnant que j'ai plus mon casque parce que voilà. On a perdu le paramétrage. Alors par contre, viens voir si je mets canaux 3 et 4, est-ce que je l'ai en stéréo dans le casque? Ah oui, canaux 3 et 4, je suis en stéréo dans le casque. Oh putain, c'est fort par contre. Voilà. Donc ouais, là c'est bon. Ouais. Donc là on est bon. Bon, je fais que des boucles hein, pour que ce soit bon. Donc on essaye. Mais toi, c'est pas facile à caler. Voilà, c'était bien dans le casque. Pour moi, le mix était bon dans le casque. Voilà. Par contre, je sais pas ce que ça a donné pour vous, mais c'était pas mal. Mais je te rassure, LDV, on fera toujours des lives sur Twitch et toujours sous Windows, parce que là, c'est vraiment le bordel. Donc là, on est pas mal. Et puis bon, la musique libre, c'est pas très intéressant. Enfin là j'ai pris que deux morceaux hein. Alors attends, oui du coup on était, salut à Johan qui arrive au passage, coucou. Juste pour Stream Deck j'ai trouvé ça mais j'ai pas le ça. Alors attends, hop. Parce que du coup à la base on voulait faire fonctionner notre Stream Deck qui ne marche pas. Mais par contre, ah ouais, parce que les liens, ils sont virés. Attends, tu peux me mettre le lien sur sur Twitch, du coup, les liens sont autorisés si t'es sur Twitch. Hop là. Je vais le récupérer par là. Hop. Ouais, je vais le récupérer par là. Essaye d'ajuster à l'oreille, y avoir la sensibilité du jog. Ouais, mais je sais pas où ça se règle, ça. Contrôle, alors c'est pas dans contrôle vinyle, platine. On a un paramétrage pour la molette du pitch, tu vois, mais après on a rien là, tu vois, c'est vraiment bizarre, mais bon. Ah merci. Ah mais Alain, c'est toi qui m'as filé un abonnement chez Yorzian. Eh ben d'ailleurs il est peut-être en ligne d'ailleurs, Yorzian, non? Merci pour le lien. Alors, attends, on va regarder ça. Non, il n'est pas en ligne, Yorzian, dis donc. Il n'est pas en ligne. Alors, comment configurer sur Ubuntu Linux? Ah, bah, regarde donc. Alors, hop. Comment désactiver Wayland? Bon, bah là, Wayland est désactivé, puisque je prends la main avec AnyDesk, donc j'ai besoin qu'il soit désactivé. Petite astuce, hein, pour savoir si vous êtes sur Wayland ou sur X11 avec GNOME. Vous allez dans les paramètres. Et puis, là, dans « À propos », on voit ici qu'on est sur X11. Donc ça, c'est bon. Et voir ce qu'il y avait dans « Son », là. Ok. Sinon, il y a la commande, ceux qui me demandent la ligne de commande, « Echo », on l'a vu dans plusieurs vidéos, $XDG, session, type. Et là, ça nous dit « X11 » ou « Wayland », suivant si on est « X11 » ou « Wayland ». Alors, je vais lire un petit doc. Installer Stream Deck CLI. Stream Deck UI, pardon. Le programme, c'est... D'accord. Stream Deck UI.
Très bien. Ah, bah voilà, c'est bien ça. Une interface utilisateur compatible. Alors, sudo apt install, donc on va faire ça. Copier. Sudo -i, moi je bascule en route tout le temps. Hop, voilà. Hop, donc on va installer tout ça. Et c'est là qu'on voit que finalement le matériel est reconnu sur Twitch, sur Ubuntu, sur Linux de manière générale. Mais bon. Ensuite, add udev rules. Ok. Donc, on va faire ça. Vie de ça. Hop. On va ajouter ceci. Alors, à mon avis. Voilà. Coller. ZZ. Ensuite, il y a une traduction qui est vraiment pas bonne. Pourquoi il m'a traduit là ? Revenir à l'anglais. J'ai l'impression que. On va se mettre vraiment. Voilà. On va se faire gaffe. Donc là, c'est udevadm reload rules. Ok. Coller. Voilà. Ensuite, on va faire pip3 install ça. Alors, je pense qu'il faut le faire en utilisateur normal. Ok. Ouh, ok, c'est beau ça. Et donc, après, il faut ajouter ça dans le pass. Alors, je vais pas l'ajouter dans. Ah, si, attends. Hop, je vais l'ajouter. Je remets en grand. vi.bashrc. On va se mettre en bas. Hop, tac, export, yips, ah, c'est pas le vrai VI, ok, export, ça, voilà, ok, echo, dollar, path, ok, très bien, je le mets là aussi, donc, il y a plein d'erreurs quand même, mais successfully. Et donc, pour démarrer, Stream Deck. Coller. Ouh. Double pouce. Ça marche. Ça marche. Alors. J'en profite juste pour vous lire vite fait. Toc. Pour moi, Mix, c'est pour les initiés. Rien qui te prend la main pour t'aider. Ouais, non. Là, c'est vraiment. Avec Mix, t'as l'impression d'être. Tu vois, limite, t'enlèves ça, puis c'est comme si t'étais avec des vrais vinyles, quoi. La différence entre le bon et le mauvais Vim, regarde, je te montre la différence. Vim, etc, host. Voilà, tu descends. Là, tu fais I. Tu descends avec les flèches de la souris, ça te fait A et B. Voilà, ça t'écrit A et B quand tu, quand tu descends avec les flèches de la souris. Le vrai VI, quand tu descends avec les flèches de la souris, le vrai Vim, tu descends avec les flèches de la souris, ça fait vraiment une descente. Là, c'est juste que Vim, il n'est pas installé. Et maintenant, si je fais VETCOS, tu vois déjà, j'ai le. Maintenant, si j'appuie sur l'écran, tu vois pas. Il y a la coloration syntaxique. Et maintenant, si je fais I, oui, et que je descends avec la flèche, et que je remonte avec la flèche, tu vois, ouh, ça marche. Ok. Ah ouais, ça, je veux bien une petite vidéo avec les timecodes. Je veux! Alors, ici, juste un truc. Stream Deck UI, donc file. File, je sais pas quoi. Alors attends, je vais reprendre la doc. Pip instron wiki. Donc wiki start command. Donc là, press key. Ok. Il explique comment ça fonctionne. Donc là, le problème, c'est qu'il ne voit pas mon Stream Deck. Ouais, oh voilà. Oui, sauf que là. La blague, c'est avec les chasseurs, c'est pas. Alors, ah bah voilà! Il suffisait de débrancher, de rebrancher.
version Windows. Donc page 1, page 2, page 3, ok. Donc là, si je prends ceci, je vais mettre test. Là, commande. Donc oui, effectivement, si je mets G, si je mets par exemple Nautilus, si je fais ça, donc il y a bien marqué test là. Attends, je vous montre là. Il y a bien marqué test. J'appuie dessus, ça me lance Nautilus. Très bien. Mais ça, c'est pas mal pour faire des actions, à la limite. Mais moi, ce que je veux, c'est surtout envoyer un message sur Twitch. Chose qui n'a pas l'air d'être possible. Alors, je vais réessayer. On va réessayer. Par contre, ça peut être intéressant pour scripter des trucs. Ah ouais, tu peux m'envoyer la vidéo en privé sur Telegram, no problemo. Attends, je réessaye avec Boatswain, là, dont on a vu tout à l'heure. Ah! Là, tiens, il me l'a détecté. Donc, je sais pas. Ok, j'ai compris. J'ai compris. Il fallait ajouter dans le rules.des machins, et maintenant, ça fonctionne. Ok. Donc là, on va mettre test. Select action. Ah, bah voilà, on commence à avoir des trucs intéressants. Donc là, select action, par exemple, ici. On peut générer des actions pour OBS Studio. On va mettre show hide source. Source. Et là, ça va pas fonctionner, à mon avis, parce que OBS est en flatpak. Ouais, c'était lui, Dave. Là, vu qu'OBS il est en tant que flatpak, ça va pas fonctionner. Je pense. Ouais, ça va pas fonctionner, je pense pas. Ouais. Alors, ça va pas être terrible. Select action. Remove action. Select action. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Twin deck. Switch profil. Folder. Brightness. Increase. On peut augmenter la luminosité de l'écran. Attends, elle fonctionne au moins la touche là? En vrai ou pas? Ouais, ça fonctionne en vrai. Bon, ça par contre, ça marche pas. Ok. Oui, si on veut. Salut, René! Pour OBS, il faut le plugin WebSocket. D'accord, ok. Donc, c'est ce que j'ai vu ici. Attends, je vais me mettre là. OBS Studio. Ici, Show Hide Source. Ici, il y a Connection Settings, WebSocket, Localhost. Alors, est-ce qu'on a WebSocket ici? Est-ce que le plugin est disponible là ou pas? Non. 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 Il n'y a pas le plugin WebSocket. C'est d'un compliqué. C'est d'un compliqué. Donc là, WebSocket, il n'y a pas. Alors, soit c'est peut-être dans les outils directement. Outils. Ah bah, paramètres de WebSocket OBS. Vous voyez, pim, le curseur, il est direct là au milieu. Ok, activer le cercle. Ok, WebSocket, donc là il écrit, il écoute sur 4444, donc 4444, je savais même pas qu'il y avait ça. Attends, mais voir, il y a ça sur... Non, il y a pas ça sur le mien d'OBS. Donc, ok, utiliser l'authentification. Ouais. Je vais pas mettre d'authentification. Appliquer. Ok. Donc, source, je sais pas. Alors, attends, hop, option, WebSocket localhost, oui. Alors, il y a peut-être un truc pour démarrer, par contre, WebSocket, non. Adresse distante, durée de session. WebSocket est affecté de version 28. Ok. Donc là, WebSocket. Ce qu'on va essayer de faire, on va essayer juste de fermer le logiciel et de le relancer.
Attends. Vas-y. Alors, hop, connexion settings. Tac, tac, tac. Toggle visibility. Peut-être mettre un nom. Hein. Test. Ça n'a pas l'air de bien marcher cette affaire. Alors, attendez. On va aller fermer ça. Je vous rappelle, c'est un flat pack. C'est un flat pack. Donc on va autoriser des trucs là. Hop, donc réseau sans fil. Hop, hop. On se casse pas la tête. Hein. On autorise tout. Il y a peut-être une fonctionnalité qui fait que ça nous embête. Et vu que c'est pas le but de la vidéo de voir comment fonctionnent les flat packs, j'autorise tout. Tac, tac. Voilà. Hop. C'est pas la vidéo. Hop. Très bien. Donc, outils, paramètres WebSocket OBS. Donc, activer le serveur WebSocket. Très bien. Quitte. Je quitte ça. Applique, OK. Ce qu'on va faire, on va vérifier que ça écoute. SST. Un plat. On va vérifier si ça écoute sur le port 4444. Déjà, pipe grep 4444. Oui, OBS écoute. Donc ça c'est bon. Ça c'est bon. Donc je relance ça. Oui, avant Netstat, maintenant Netstat s'est déprécié au passage. Donc Netstat, avec les options Tuplan que j'utilisais, bon bah j'ai utilisé autre chose. J'ai mis toutes les lettres de. J'ai mis toutes les lettres de SS qui m'intéressaient et j'ai réussi à trouver que ça fait un plat. Donc c'est parfait pour m'en rappeler. Source, donc là, source, je ne peux pas faire ça. Ça ne fonctionne pas cette affaire. Donc là, localhost, ouais, c'est bien. Alors attends, on va essayer à défaut hein, 127.0.0.1 connexion. Ça ne fonctionne pas. Hein. Ouais, Netstat est déprécié. Donc là, là, ça fonctionne pas bien. Ça fonctionne pas bien. C'est quoi ça? Ah ouais, génial. Par contre, ça, c'est la luminosité du Stream Deck. Cool. Alors, ça fonctionne. Bon, alors, attends. On va essayer autre chose. Parce que là, dans les actions, on peut lancer des applis. Donc, ça m'intéresse pas. Stream Deck. Là, les actions multiples, ça m'intéresse pas. On peut éventuellement essayer d'interagir avec OBS Studio, mais... Et voir si j'essaye autre chose. Par exemple, record. Rec. On va voir ce que ça marche celui-là. Non, ça fonctionne pas. Peut-être appuyer sur le bouton bleu pour valider. Le bouton bleu pour valider. Ah ouais, non, c'est si tu changes là. 127.0.0.1. Alors, ça avait validé. Ah oui, ça avait pas validé. 127.0.0.1. Bouton bleu. Bon, là, il y a juste une action, c'est enregistré. Marche pas. Et on va voir si on essaye. Par contre, je vous assure que par contre, ce qu'on ajoute ici sur le Stream Deck, ça fonctionne bien, voilà, les trois boutons, ils sont ajoutés, ça, il n'y a pas de problème. Il faut mettre un mot de passe. Attends, je vais essayer de mettre un mot de passe. WebSocket, utiliser l'authentification, donc, Toto, très bien, comme ça. IP du serveur, ah Je vais mettre ça. Vous devez utiliser un mot de passe d'au moins 6 caractères. Ok.
A-Z-E-R-T-Y-Q-I-O-P. Voilà, hop, ça va. Ok. Yes, on met notre propre mot de passe. Allez, c'est parti mon kiki. Donc là, hop, je vais mettre ça. Donc, hop, hop, voilà. Par contre, tu vois, il y a un mot de passe, il devrait me le demander, le mot de passe. About. Manage profile. Là-dedans, tu peux pas mettre le nom du WebSocket, tu vois. Alors si j'appuie, il me demande le mot de passe. Non. C'est... Ouais. C'est pas supporté la V5, oublié. Ok, d'accord. Bon, bah on oublie. On oublie. Bon. Mettre le mot de passe dans l'URL. Ouais. Alors attends, on va essayer d'autres choses. Est-ce qu'on a d'autres actions ? Test 4, ici, si je fais Select Action, Soundboard, Play Audio, Music Player, donc ça, ça m'intéresse pas trop. OBS, c'était ça qui était intéressant. Launcher, on peut faire que ça, donc on peut pas envoyer de... Par contre, j'imagine que là, si je fais Launcher, Launch Application, Choose Application, Afficher toutes les applications... ah bah oui, puis évidemment il me montre que des trucs Flatpak. Ok. J'ai toutes les applications. J'aime pas. Il n'y a pas un truc lancer une commande ou je sais pas quoi. Doc, select action, launcher, open URL. On va voir. www.linux.fr LTFR. Hop, si j'appuie dessus, il se passe quoi? Fonctionne ça? Attends, je vais peut-être sortir de là. Hop, pouf! Ouais, donc là, il est 22h25. Il est 22h25. On va pas non plus passer la vie. Vie sur ce stream. Par contre, certes, on n'y est pas arrivé. On n'est pas arrivé à faire quelque chose de bien. On n'arrive pas à aller très loin. Mais s'il fallait qu'on conclue quand même un truc, parce que on va arriver à conclure quelque chose. Et après, il y aura le petit instant question-réponse. On va mettre le petit instant question-réponse. Ah ouais, HTTPS, je vais essayer. https://. Hop, vas-y, je réessaye. Hey, ça marche. Il faut HTTPS, c'est bon. Ok. Donc, on va quand même conclure sur notre affaire. On avait plusieurs trucs à faire fonctionner. Premier truc, c'est faire fonctionner le contrôleur. Deuxième chose, c'est faire fonctionner le contrôleur avec un logiciel, quand même. Troisième chose, c'est de gérer la partie OBS, enregistrement, diffusion, etc. Et puis... le dernier truc qu'il fallait qu'on fasse fonctionner, c'est ça, le Stream Deck. Salut, LDV. Bye bye. N'oublie pas, si tu veux reprendre le replay de ce magnifique stream, 2h32. Donc, au final, qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé par brancher le contrôleur Pioneer. On a vu que, avec LSUSB, oh là là, je ne sais plus écrire, LSUSB, on a vu qu'on a branché le contrôleur Pioneer Digi des Digi 400, il a été reconnu du premier coup. Donc ça, c'est top. Reconnaissance du matériel par Linux, 5 sur 5. Ensuite, ce contrôleur fonctionne avec un logiciel qui s'appelle Recordbox. Facile.
c'est écrit ici. Voilà. Ce logiciel est disponible pour Windows et Mac uniquement. On a essayé de le faire fonctionner avec Bottles, avec Wine. L'installation se fait, mais le lancement échoue. Donc, il n'est pas possible d'utiliser le logiciel sous Wine, sous Linux. Donc, on est parti avec le logiciel Mix. Mix que voici. Et donc, ici, une fois que Mix a été installé, directement le contrôleur a été reconnu. Mix en version distribution, hein, pas en version Flatpak ou autre, version Ubuntu. On a de la chance puisque, certes, le logiciel était reconnu, ça, le matériel était reconnu, pas de souci. Donc là, il était reconnu dans Mix et on avait déjà un mappage existant pour le Pioneer DDG 400. On a eu du bol. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Après, une fois que ça a été paramétré, on a galéré un peu avec le son, puisque, évidemment, le contrôleur DDG 400 intègre une carte son. Donc quand on le branche, le système ici voit le contrôleur comme mettant une carte son et bascule dessus. Donc on a bien rebasculé ici. Il s'avère que avec Mix, on a à peu près tout fonctionnel. Quand je dis à peu près tout fonctionnel, c'est la musique. Ok. Sur le son. Voilà. La musique est bien. Ah ouais, alors c'est plus trop calé, notre affaire. Voilà. Remarque, t'as vu avec le kernel RT qu'on a installé entre temps, real time, leur calage est à peu près pas mal. Voilà, on essaie de faire un petit mix. Donc ça marche. Les sons fonctionnent. Ok, donc là, le son fonctionne, le mix fonctionne, les potentiomètres fonctionnent avec le logiciel, c'est bon. Les petits sons, ça fonctionne. Les boucles, donc les boucles, là on a une boucle ici. Les boucles fonctionnent là, sur le logiciel, en appuyant sur les boutons, pas de problème. Les hot cues, je vais arrêter ça, je sors de la boucle, j'avance un peu. Les hot cues, donc les points, les cues chauds là, hop, voilà, on peut les définir. Alors, je vais juste virer cette piste là, je ne sais pas comment je fais pour la virer. Comment j'enlève là ? Hop, ici, voilà. Donc les hot cues ici, 1 par exemple, 2 ici, 3, je peux, 6, voilà, je peux les positionner. Donc ça marche. Le pitch fonctionne. Je vous remets le son. Ça marche. Ok. Le casque, donc ça fonctionne. On a réussi à le faire fonctionner. Le casque qui est branché donc sur le contrôleur, je le mets à l'envers mais c'est pas grave, sur le contrôleur directement, voilà. Donc le casque fonctionne, on l'a paramétré comme ceci. Je sais plus où c'est déjà. Matériel sonore, voilà. Donc le casque, on le met ici sur DDG 400, canaux 3-4. Là on est bien en stéréo et pas en mono. Sensibilité du jog un peu bizarre. Bizarre, on a un peu bricolé quand même. Voilà, les effets ne fonctionnent pas. Hein, la partie effet FX ne fonctionne pas, pourtant j'en ai mis partout. Là, le beat jump, donc le fait de sauter dans la piste et d'avancer vite. Là, je réduis un peu le son. Là, ça fonctionne. Ah, j'arrive à sauter en avant. Donc ça, c'est bon. La sélection en bas dans la liste avec le petit menu, ça fonctionne.
Donc, on peut à peu près mixer. À peu près mixer, je dis à peu près parce qu'on n'a pas les effets. Il y a des comportements un peu erratiques du logiciel. Mais voilà. Ça a l'air d'aller un petit peu mieux avec le kernel, le noyau RT, real time. Mais au final, est-ce que le noyau real time... Est-ce que c'est un effet de « waouh, je l'ai installé, je me sens plus à l'aise », est-ce que c'est un effet placebo ? Je sais pas trop. Donc le mixage, je dirais plutôt 3,5 sur 5, hein. On n'a pas tout de fonctionnel, mais voilà. Ensuite est venu le temps, non pas de l'île aux enfants, mais, alors je vais remettre le son, voilà, de la partie OBS, donc OBS Studio, la webcam fonctionnelle. Les filtres, le fond vert que vous voyez pas, donc fonctionnel, puisque la chroma key fonctionne, no problemo. Les sources web pour avoir, je vous mets en plus gros, hein, les sources web pour avoir en haut là, le petit bandeau qui tourne ici, donc à chaque fois que quelqu'un me fait un raid, enfin bon, ce que j'ai autour, ici, ça fonctionne. Il a fallu par contre passer sur OBS version Flatpak, puisque OBS livré dans les dépôts n'a pas le plugin source web. Donc toutes ces sources web fonctionnent. Je me remets sur mon propre. Oups, là. Je me remets sur mon propre chat depuis le téléphone. Hein. Mais voilà, si je mets par exemple. Quelque chose qui génère des petits cœurs. Bon, bah voilà, on voit les petits cœurs se mettre. C'est fonctionnel. Si je joue des animations GIF, allez, on va mettre une petite pom-pom girl pour faire plaisir. Ah non, je peux pas. Ah bah tiens. Ah mince, je peux pas mettre ça. Bon, c'est pas grave. Oh, qu'est-ce qui se passe? Alors là, bug du téléphone. Bon, d'accord, merci pour la pom-pom girl. Donc ça fonctionne. Les sons, c'est censé fonctionner aussi, mais j'arrive pas à les lancer. Bah tiens, qu'est-ce qu'il me veut là? Mais les sons, ça fonctionne. On a vu Mr. Flyers faire plein de petites bricoles. Donc voilà, je te rembourserai tes points d'ailleurs, passage, dépensé. Donc ça fonctionne. C'est génial. Merci, voilà les points. Donc ça fonctionne, les interactions se font. Évidemment, quand on joue de la musique, ici, c'est l'audio du bureau qui est capté. Donc là, hop, voilà, il n'y a pas de son. Je mets le son, je monte le son, on a le son. Donc ça fonctionne. Chose avec laquelle c'était très compliqué il y a un an et demi, deux ans, où quand on lançait Mix, il monopolisait la carte son et donc on ne pouvait plus streamer avec OBS. Donc là, voilà, audio du bureau fonctionne. Donc est-ce que c'est une évolution de Mix? Je ne sais pas si c'est une évolution de Mix ou si c'est parce que OBS est sous forme de Flatpak. Toujours est-il que ça fonctionne, et au niveau du son, ou c'est peut-être parce qu'on utilise Pulse Audio et qu'on n'utilise pas la carte son en tant que telle. Bon, en tout cas, on a eu du bol, ça a fonctionné. Donc, on est sur Ubuntu 22.04, à voir comment ça va se passer quand il y aura Pipewire là-dedans, là au milieu. Là. Donc ça, voilà. Donc au niveau d'OBS, on est quand même pas mal du tout, voire même très bien. Il faut la version Flatpak, mais 5 sur 5 pour OBS. Et après, bah, le Stream Deck, bah, 5 sur 5 sur la reconnaissance du matériel. Donc ça, c'est top. Par contre, on n'a pas le logiciel. Hein, donc le Stream Deck est bien reconnu. Nickel. Et ici, ouais, il me semblait que c'était bien Alza Only. Alza uniquement. Mais la dernière fois que j'ai fait ça, c'était Mix 2.2. Et donc là, le Stream Deck, le matériel fonctionne, mais on n'a pas l'offre logicielle qui va derrière. Donc, ce qu'on peut conclure très très vite, c'est que le système Linux
et le matériel, c'est 5 sur 5. Ça veut dire que dans les deux cas, j'ai branché le contrôleur, j'ai branché le Stream Deck, c'était tout de suite reconnu dans le système avec un LS-USB. La partie contrôleur Pioneer plus logiciel Mix, je vais arrêter de faire tourner ça, le contrôleur Pioneer plus Mix, on a du bol, il y a le mapping dans Mix, ça fonctionne globalement bien, elle est à 75%, on a tout ce qu'il faut. Donc, si vous voulez, on n'est pas trop mal. La partie OBS, streaming, c'est 5 sur 5. Donc, s'il fallait vraiment conclure, Linux pour faire du mix, c'est non, puisqu'on le voit en l'état, hein, ça ne fonctionne pas, j'ai pas quelque chose de fonctionnel. Demain, je ne peux pas mixer avec ce genre d'installation. Donc, mixer sous Linux, ce n'est pas possible. Voilà, ça c'est la réponse à la question. Par contre, ce qu'on peut quand même tirer comme leçon, c'est que Linux, le noyau Linux, et donc forcément par définition toutes les distributions Linux, le matériel est reconnu sans aucun problème, et ce qu'il manque aujourd'hui, c'est l'offre logicielle. Donc aujourd'hui, mixer sous Linux, c'est non. Non pas parce que le matériel ne fonctionne pas, bien loin de là, c'est juste qu'on n'a pas le logiciel Recordbox qui fonctionne de manière optimale parce que le logiciel Recordbox fournit les mappings, tout ce qui va bien avec le contrôleur. Donc on n'a pas le logiciel de Pioneer disponible sous Linux, donc ben forcément on doit se débrouiller avec des alternatives libres qui ne sont pas pleinement fonctionnelles. La partie streaming RAS, et puis la partie Stream Deck, eh ben on est exactement dans le même cas que le mix avec le contrôleur, sauf que c'est pire, hein, c'est que là, le matériel, à nouveau, il est toujours bien reconnu, mais, on n'a pas le logiciel qui permet de piloter le Stream Deck. Voilà. Donc c'était quand même un live intéressant, parce que on a pu tester des trucs, on a pu voir que la reconnaissance matérielle était bonne, mais que ce qui fait défaut, c'est l'offre logicielle. Alors c'est vrai que c'est une conclusion là, je ferai un test vite fait après en hors ligne avec l'outil, hein. On va pas non plus rester jusqu'à minuit en live, sinon je pense qu'on peut avoir du temps, mais c'était vraiment intéressant de tester ça et de se rendre compte que c'est l'offre logicielle qui manque. Alors, ça, on l'a dans beaucoup de domaines, hein, puisque beaucoup de personnes tireront à peu près les mêmes conclusions dans le sens où le système est de qualité, mais l'offre logicielle manque. On n'a pas, par exemple, Photoshop, pour ceux qui ne voient que par Photoshop au lieu de GIMP pour des fonctionnalités avancées. On n'a pas Microsoft Office, qui est quand même la suite bureautique de référence sous Linux. Et il faut faire avec des LibreOffice ou des OnlyOffice. Alors, ça marche très bien, mais pareil, on n'a pas toute la complexité, toute l'entièreté du logiciel qui est disponible. Donc, c'est l'offre logicielle qui pose souci. Après, voilà, on ne peut pas non plus forcer à... On ne peut pas forcer Pioneer à leur dire bah, « Vous allez développer Recordbox pour Linux, quoi. » Je veux dire, et puis un développeur indépendant qui souhaite s'y mettre, bah on voit qu'on a le logiciel mix, mais c'est compliqué quoi, c'est compliqué. Et là, est-ce qu'il y a des platines fonctionnelles sous mix? Bah, tu vois, je dirais bien, tu vois, on a une liste. Il y a plein de contrôleurs qui sont disponibles ici. Donc tu vois, il y a Denone, c'est une marque assez connue. Donc là, on a Denone ici. On a Hercule. Là, mais après, est-ce que les mappings et les fonctionnalités proposées sont OK à 100%? Je sais pas. Sachant que les premiers mix que j'ai fait quand on était sous Linux, c'était une Hercule... Attendez, je retrouve ce que c'était. Je dois avoir toujours les mappings quelque part. Logiciel. C'est dans quoi? Non, c'est pas dans logiciel, c'est dans documents perso, Digimix Controller. Voilà, hop, je reviens là. Donc là, c'est mon PC. Donc là, j'avais le Hercule Universal
DG, hein, Hercule Universal DG, qui fonctionnait franchement pas terrible. Il n'y avait pas les mappings, j'ai été obligé de les trouver sur le forum. Et du coup, ici, c'est le Universal DG, tu vois, il n'est pas là. Donc il faut encore, même si je voulais encore utiliser celui-là, il faudrait bricoler un petit peu. Et puis donc pour installer le contrôleur, voilà, il fallait donc aller dans .mix contrôleur et puis déposer le fichier .xml et le script JavaScript. Mais bon, c'est pas évident non plus, donc souvent c'est le travail de bénévoles qui se disent, bah voilà, tiens, tu vois, moi par exemple, je me dis, là, avec moi là, j'ai une Pioneer des DJ 400. Je constate qu'il y a des trucs qui marchent pas, bah je pourrais participer à Mix et dire, bah voilà, moi j'ai ça, il y a ça qui marche pas, soit... Je fais des tests et puis le développeur est en face et je lui dis, bah voilà, il y a cette fonction qui marche pas, cette fonction qui marche pas, puis ça marche pas. Développeur se débrouille, ou alors, moi, quel matériel, c'est à moi de proposer la solution. Mais c'est compliqué pour contribuer, quoi. Mais tu vois, il y a plein de... Tu vois, en Pioneer, il y a tout ça. Alors après, c'est sûr que si on souhaite vraiment... Je pense que le mix sous Linux est possible... Est possible avec ce genre de truc. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Hop. On va aller sur le site Pioneer DJ où on va se taper un petit Too Many Redirect comme d'habitude, non? Ouais. Hop. Voilà. Donc, en fait, le problème des contrôleurs DJ, c'est qu'ils ont besoin d'un logiciel pour fonctionner. Donc là, on va retrouver. Voilà, on va retrouver la DDG 400 qui est ici. Et donc, il y a besoin du logiciel Recordbox. Après, si on veut mixer sous Linux, il y a une possibilité. Hein, c'est de prendre un système DJ tout en un. Donc là, on va prendre par exemple le XDG XZ. Voilà, je vais vous mettre la petite photo. Là, ok. Donc là, c'est facile. C'est facile. Ce contrôleur, il est très simple. Hein. On a ça. Sauf que, ici, directement, on met sa clé USB là, hop là, ici et ici, on met ces deux clés USB pour ce contrôleur-là et ce contrôleur-là, cette platine-là. Et après, on a directement le système embarqué, et donc c'est lui qui, entre guillemets, contient le logiciel. Et on n'a qu'une chose à faire, c'est quoi? Eh bien, c'est derrière, hop là, voilà, ouvrir la match dans un nouvel onglet. Derrière, on a ça comme connectique, donc c'est cool. Ici, je vous grossis le bins. On n'a pas de... Alors, bien sûr, on peut l'utiliser en USB avec le logiciel Recordbox, mais là, hop, t'as tout, t'as tout là-dedans, hop, et qu'est-ce qui sort? Il sort du son sur... il est où? Master 1 ici, donc soit Master 2 en RCA, soit Master 1 en XLR. Et puis après, tu branches une carte son qui va bien XLR en USB, et il n'y a qu'une carte son USB qui est connectée au PC. Et donc là, dans ces cas-là, tu peux être sous Windows, sous Linux, sous Mac, bah, la carte son en USB, c'est une carte son USB. Et donc forcément, bah, le son du mix, il est balancé dedans. Dans la carte son, c'est la carte son qui gère. En fait, tout est géré par le contrôleur, quoi. Bon, voilà. Donc ça, et puis, qu'est-ce que je voulais dire ? Et puis effectivement, le micro, il se branche. Alors sur celui-là, c'est pareil, tu as le casque devant. Et le micro, il doit se brancher sur le côté. On n'a pas la photo. Il doit se brancher sur le côté. Ou derrière, attends, il est peut-être derrière, je sais pas. J'ai pratiqué une fois sur ce contrôleur-là, mais forcément, c'est pas moi qui l'ai branché. Et c'était déjà installé, et donc, ouais, voilà, tu mets le micro là, micro 1, micro 2, et donc ici, tu manipules le micro avec le bouton qui est normalement ici. Non. Attends. Je sais plus où il est. Quand tu pratiques qu'une fois sur le truc, je sais plus où il est, le bouton. Non, s'il est par là. Par là, normalement.
Ou alors c'est pas sur ce modèle-là que j'étais. Enfin bref, peu importe. Mais je veux dire, tout est intégré dedans. Donc voilà. Après, bien sûr, tu peux aller sur des trucs. Voilà, tu as la table de mixage d'un côté, hein. Voilà, on peut acheter ça. On peut acheter la table de mixage. Donc le copain, il a la DJM, celle-ci, je crois. Ouais, soit celle-ci. Soit celle-ci. Et puis là, bon, bah forcément, il faut acheter et ça d'un côté et de l'autre côté. Donc ça d'un côté, donc ça coûte une blinde. Et puis après, hop, il faut aller prendre côté lecteur DJ. Voilà, la CDJ 3000, par exemple. CDJ 2000, je pense qu'elle est plus commercialisée. Voilà, tu prends CDJ 3000, t'en prends deux, tu prends la table au milieu, et puis voilà quoi, hein, tu prends ça d'un côté, et puis le mixeur de l'autre. Mais bon, là, c'est pas le même prix, c'est pas le même encombrement, mais là au moins tout est indépendant, il n'y a pas besoin de logiciel, il y a juste une sortie son, et après il suffit juste d'une carte son en USB, donc là n'importe quelle carte son USB est reconnue, que ce soit sous Windows, Mac ou Linux, voilà, donc c'était. C'était, je trouve, un petit live assez sympa. Bonne nuit à ceux qui partent. Et voilà. Alors, attends, le micro, c'est au-dessus de la platine 1. Yes. Ici. Alors, c'était pas celui-là sur lequel j'étais. Je vais reprendre. C'est peut-être un modèle avant. Le bouton est là. Le bouton est là. Le bouton est là. Il est juste au-dessus des effets. Donc je ne sais plus quel modèle c'est. Ah, c'est peut-être celui-là. Attends. Hop, 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 hop. On va se mettre ça vite dessus. Bon, après, peu importe. Hein, en soi, c'est pas très. C'est pas le but du truc. Phono. Non, là, c'est le micro. Il est là. Talk. Je sais plus. Je sais plus. Bon, bref, peu importe. Peu importe. Mais voilà. En tout cas, on voit que. En l'état, ce n'est pas possible de streamer avec un contrôleur sous Linux à cause de l'offre logicielle qui n'est pas là. Mais bon, on peut essayer de faire quelque chose, mais c'est pas top. Voilà, voilà un peu la conclusion qu'on pourrait tirer de tout ça. Après, s'il y en a qui veulent poser 2-3 questions avant qu'on se quitte, là, on va se quitter sur le coup de 23 h. Si vous voulez qu'on échange 2 minutes, 5 minutes, il n'y a pas de souci. Hop, je vais remettre ça. Comme ça, on va juste pouvoir échanger rapido s'il y avait des questions, parce que j'ai pas pu trop lire non plus le chat en même temps. Donc si vous avez des questions, j'en profite pour commencer à ranger le truc là, à remettre mon matériel en place. Mais ouais, si vous avez des petites questions comme ça, j'avais vu une question tout à l'heure, mais je pense que la personne elle est repartie. Mais en tout cas, ouais, les All-in-One Pioneer, c'est du CDJ 2000 plus DJM, ouais. C'est la journée de quoi aujourd'hui? C'est la journée de. Journée. Journée. J'ai pas regardé. Journée mondiale de quoi? Journée mondiale. Journée mondiale. Et surtout, je vais vous donner la journée mondiale de demain. Comme ça, vous pourrez être très intelligent avec vos collègues et leur dire, hey, aujourd'hui, tu sais que c'est la journée mondiale de. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on a oublié ça. Aujourd'hui, nous sommes le 2 novembre, c'était la journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. Je ne savais pas que ce genre de journée existait. Voilà, journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. Et donc demain, si vous voulez épater vos collègues, c'est. Ah, ça va être génial ça. Demain, c'est la journée mondiale de la gentillesse. Les gens gentils sont en meilleure santé. Présenté comme cela, l'affirmation n'a rien d'évident. Mais
Si on se dit qu'être gentil au quotidien traduit une tournure d'esprit positive et une approche apaisée de l'autre, cela se conçoit plus aisément. Et voilà, donc l'origine de cette journée. Donc demain, vous n'oubliez pas, ce sera la Saint Hubert, si vous connaissez des Hubert, et le jeudi 3 novembre, c'est donc la journée de la gentillesse. L'origine de cette journée est anglo-saxonne et son nom d'origine est le World Kindness Day. Voilà. À l'origine, cette journée était célébrée le 13 novembre pour des raisons que chacun imagine. Petite parenthèse, la commémoration des attentats de Paris de 2015, elle a migré au 3 novembre en France. La date du 13 a été conservée dans les pays anglo-saxons. Donc c'est le 13 novembre pour nos amis anglais. Par contre, pour nous, c'est le 3 novembre. Voilà, donc vous pourrez dire à vos collègues ou à ceux que vous croisez demain, « Hey, tu sais que c'est la journée mondiale de la gentillesse ?» Voilà, donc vous pouvez. Les PC Tuxedo, j'ai parlé de Tuxedo OS, par contre j'ai pas testé les PC Tuxedo. Par contre, sur la vidéo que j'ai fait sur Tuxedo OS, il y en a beaucoup qui ont été plutôt bienveillants en faire Tuxedo. Certains d'entre des commentaires ont dit qu'ils avaient un PC Tuxedo et qu'ils en étaient plutôt contents. Petite question d'Augustin, juste avant de partir. Tu as fait une vidéo sur le système Linux le moins gourmand. Est-il prévu d'en faire une sur le plus gourmand ? Non, j'ai pas prévu de faire ce genre de vidéo. Et franchement, s'il fallait que je trouve un système Linux tout près le plus gourmand, je pense que ce serait une distribution probablement avec GNOME, plein d'extensions, des conquêtes partout, mais je sais. Non, c'est pas prévu que je fasse ce genre de vidéo. Solution ultime, demander à GitHub Copilot de régler les problèmes de logiciel. Ouais. Bon bah voilà, on va se quitter tranquillou. Enfin, en tout cas, c'était bien sympa. Là, ça fait 3 heures pile poil de live, hein, puisqu'on a commencé à... Voilà, 3 heures de live. On a commencé à 55, comme d'habitude. Je vais couper ce PC pour restaurer un Clonezilla dès demain pour pouvoir le rendre à la personne qui me l'a gentiment prêté. Voilà. Et puis voilà. Mais c'était intéressant de faire ce live. Je savais à l'avance que c'était pas gagné. Et donc là, je sais que effectivement, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mais au moins, on a beaucoup de réponses à nos questions, que le matériel est bien reconnu sous Linux et que c'est toujours le logiciel qui fait défaut. Mais là, le logiciel est tellement, spécifique à un domaine que bah, si on n'a pas les spécifications du matériel, c'est compliqué. Et donc, seul l'éditeur du matériel peut nous fournir le logiciel concerné pour que ça fonctionne au mieux. Voilà. Et ben voilà. Et donc, vu que nous ne sommes pas sur Twitch, et ben, je ne peux pas raider et vous envoyer chez quelqu'un d'autre. Hein. Ce n'est pas possible. Donc, on va s'arrêter là, tranquillou. Mais c'était bien sympathique. Pour les distributions merdiques, il faut voir avec Frédéric Béziès. Oui, bon, après, tout ce qui va être distribution Linux, on en a fait hein, des présentations de distribution Linux sur la chaîne. Il y a un moment, on en faisait des présentations de trucs qui servaient à rien. Maintenant, je préfère vous montrer des trucs qui servent plutôt à quelque chose que des choses qui servent à rien. Voilà. Et c'est quand même beaucoup mieux, même si... présenter une sortie d'Ubuntu, tu vois, Ubuntu 22.10, il est sorti, mais j'ai pas fait de vidéo, parce qu'en fait, il n'y a rien de révolutionnaire dedans, mis à part Pipewire en serveur de son, il n'y a pas grand-chose à dire, donc voilà. Et voilà, des petites distributions qui arrivent de temps en temps, des petits trucs cool à parler, ouais, mais...
Après, j'essaye de me recentrer. J'ai plus beaucoup de temps non plus. Donc, j'essaie de me reconcentrer quand même sur des trucs intéressants à éventuellement vous dire. J'ai toujours des choses hein, notées sur mon papier du live de la dernière fois, comme notamment PostgreSQL, utilisateur et, autorisation. Je ne sais plus qui c'est qui m'avait demandé ça. On a toujours le bridge sur Wi-Fi, sur Arch Linux, qui est noté. Et puis, j'ai noté un autre petit truc sympa. Voilà. Et puis, il y avait dû avoir une autre vidéo, mais que j'ai sortie entre-temps. Que me conseillez-vous comme cloud pas cher, fiable ? Bah, ça dépend ce que tu veux stocker dans le cloud. Et puis, quel logiciel crypto pour protéger ses données ? Bah, un logiciel crypto, un logiciel pour chiffrer les dossiers ou des choses comme ça. Si c'est une partition de ton système Linux, par exemple, Crypt Setup, quoi, enfin tout ce qui est proposé dans le système de fichiers, j'allais dire, faire une installation chiffrée. Après, si tu veux protéger des données dans un conteneur chiffré, tu as VeraCrypt, par exemple, qui est une application qui te permet de créer un conteneur chiffré et de mettre des données dedans, par exemple. Voilà. Et puis après, un cloud pas cher, fiable. On pourrait même dire Google Drive, quoi. C'est un cloud pas cher, quoi. Fiable, parce que le taux de panne sur Google Drive, voilà. Après, d'un point de vue confidentialité. Voilà. Oh, tu m'aimes. Bah, je t'aime aussi, alors. Le challenge était pas simple, en tout cas. Merci. Bah ouais. Bah le prochain live, tu sais quand il est, Sam Sword, il est vendredi sur Twitch. Ce serait bien un live sur Why You Not Host, les Home Cloud. Alors, je compte parler de ce genre de solutions. Je suis en train de tester un peu des solutions pour voir laquelle je pourrais vous présenter qui serait sympa. J'essaie de me faire un avis sur 2-3 solutions que j'ai vues là, sur des clouds que tu peux facile à mettre en place pour toi-même. Mais j'arrive pas à me décider sur un produit qui serait intéressant à vous présenter. Donc il me faut encore un petit peu de temps pour préparer le sujet, voilà, et du coup on va se quitter, il est 23h, et c'est pas le tout, mais on va aller se coucher. En tout cas, j'espère que le live vous a plu, enfin vous avez été très nombreux à participer, c'était sympa, on n'est pas arrivé à avoir un truc 100% fonctionnel, mais au moins... Voilà, il y a eu des trucs sympas, il y a eu des échanges, on a testé des trucs, plusieurs solutions. Voilà. Donc, ça n'a pas répondu à toutes les questions, mais ça valait le coup d'essayer de répondre aux questions, même si on n'y arrive pas avec succès à la fin. En tout cas, moi, je vous donne rendez-vous dans très bientôt pour une prochaine vidéo qui est déjà enregistrée. Et oui, j'ai enregistré une vidéo que je ne vous ai pas encore publiée. Et puis, j'ai encore 2-3 bricoles à vous parler. J'ai 2-3 sujets qui sont en cours de finalisation pour vous faire des petites vidéos bien sympathiques. Et puis, je pense peut-être pas qu'on parle de... Je pense pas qu'on parle de la sortie de Fedora parce qu'il n'y a pas... Je pense pas qu'il y ait grand-chose d'intéressant. À dire sur cette sortie de Fedora, mais bon, c'était bien. On verra si dans le live il y aura des commentaires sur le replay du live. Comme d'habitude, je coupe dans une minute et vous aurez le live disponible dans les 5 minutes qui arrivent, quoi. En tout cas, portez-vous bien et moi je vous dis à bientôt pour des prochaines vidéos sur le libre et Linux. Allez, ciao, ciao, bye bye, et merci à vous.